Bonsoir et bienvenue. Bienvenue au Festival Atmosphère. Merci d'être avec nous ce soir pour ce sujet essentiel. Ce que je vous propose, c'est une petite expérience. Vous avez sans doute noté le titre de cette rencontre. 2050, le gaspillage alimentaire ne sera plus. Et c'est peut-être d'ailleurs même la raison pour laquelle vous êtes là ce soir, peut-être par curiosité. L'expérience que je vous propose, le voyage que je vous propose, c'est de partir du postulat, donc on est en 2050, et de réfléchir, d'échanger avec mes invités que je vais vous présenter dans un instant, sur quels sont les leviers, comment est-ce qu'on a fait, quel est le chemin qui aura été parcouru entre aujourd'hui, 2022 et 2050, pour que le gaspillage alimentaire ne soit plus. Je voulais juste vous rappeler quelques chiffres qui sont essentiels. Aujourd'hui, en 2022, on parle encore de 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées tous les ans dans les foyers en France. Et si on le rapporte à l'échelle individuelle, ça représente plus de 30 kilos par an, par personne, donc toujours en France. Et si on fait le calcul à l'échelle mondiale, on parle de 30% de nourriture produite qui est jetée, gaspillée. Et c'est quand même juste un énorme paradoxe, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, on parle encore d'un milliard de personnes qui souffrent de la faim. Ce chiffre, bien évidemment, il est en train de s'accentuer. On parle d'insécurité alimentaire qui s'est accélérée pour plusieurs raisons. Après 2 ans de pandémie, suite à la guerre en Ukraine qui est en cours, et puis également le réchauffement climatique. On sait que les prochaines années, on aura de plus en plus de migrants climatiques. Donc tous ces sujets plus largement posent des sujets de sécurité, d'insécurité alimentaire pour le coup. Et juste un dernier chiffre que je voulais vous partager. Si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre au monde derrière les États-Unis et la Chine. Vous l'avez compris, quand on parle de gaspillage alimentaire, on adresse plusieurs sujets en fait. Il y a un sujet de sécurité alimentaire, une fois de plus, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'économiser les ressources naturelles ou encore d'améliorer la qualité des aliments. Ce soir, on va voyager donc jusqu'en 2050 pour essayer d'identifier ces leviers et ces solutions. Et avec moi, j'ai plusieurs compagnons de route. J'en ai 3. Je devais en avoir 4, ce qui permettait d'augmenter un peu la parité ce soir. Mais malheureusement, Céline Lainée d'Alim Avenir ne sera pas avec nous parce qu'elle est souffrante. Mais à mes côtés, Arash de Rambarche, qui est adjoint au maire de Courbevoie. Bonsoir, Arash. Jérémy Almosny, qui est directeur régional Île-de-France pour l'ADEME. Bonsoir Jérémy. Et enfin Clément Caro, tu es responsable des affaires publiques pour Phoenix. Merci à tous les trois d'être présents avec nous ce soir. Je vous précise juste le programme de ce qui va suivre. Donc on va avoir un échange tous les quatre en format table ronde. Ensuite, on prendra quelques questions en salle. Si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis, on finira par une remise de prix qui sera animée par vous, Arash. Jérémy, en 2016... l'ADEME a sorti une étude qui évaluait justement l'état des masses, des pertes et du gaspillage en France. Est-ce qu'on peut revenir sur la synthèse de cette étude dans ces grandes lignes? Alors bonsoir à toutes et tous et merci pour cette invitation. L'occasion effectivement de revenir. Alors on est en 2050, la bonne nouvelle c'est qu'on n'a plus de gaspillage alimentaire. Exactement. Et qu'on a pu justement prendre conscience, nous consommateurs, mais aussi ensemble des acteurs de la filière, qu'il fallait réduire ce gaspillage. Mais effectivement, alors hop, parfait. Donc sur cette étude de 2016, on voulait mettre en exergue deux points. Le premier point, il est vrai que le gaspillage, on le voit souvent de l'assiette vers la poubelle, mais en réalité, lorsqu'on fait un pas de côté, on voit que le gaspillage se caractérise tout au long de la chaîne alimentaire. Donc on a bien sûr au moment de la production, au moment de la transformation d'un produit, au moment de sa distribution, essentiellement dans les grandes et moyennes surfaces. Et puis, on a bien sûr les enjeux de consommation à la fois à la maison, mais aussi lorsqu'on est en restauration collective, au restaurant, à l'école ou en entreprise. Et donc sur ces grands postes, on voit que la consommation à la maison ou hors du foyer, c'est un tiers du gaspillage. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération ce poste-là. Il est extrêmement important, mais de se dire que finalement, il y a aussi des enjeux au niveau de la production qui, à elle seule, représente aussi un tiers du gaspillage alimentaire et également la transformation et la distribution qui représentent l'autre tiers. D'autres chiffres ont été cités en guise d'introduction. Donc on a évoqué 10 millions de tonnes
De gaspillage alimentaire par an. On peut aussi y adosser derrière des chiffres économiques. Grosso modo, la valeur de ce gaspillage est équivalent à peu près à 16 milliards d'euros. Donc, ces 16 milliards d'euros, c'est vraiment la valeur du produit perdu. D'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'un produit, au moment de sa production, a une valeur qui est en principe assez faible, c'est la matière brute, et devient un produit beaucoup plus cher au moment de sa consommation. Donc on a certes moins de pertes, on a une perte relative à la consommation, mais la valeur ajoutée et la valeur économique du produit jeté représentent 40% au niveau de la consommation, ce qui veut dire que là aussi on a un enjeu fort sur le plan économique. Et puis bien entendu, à l'ADEME, on s'est intéressé aux enjeux de gaz à effet de serre. On a cité le troisième pays le plus émetteur de gaz à effet de serre, si on se retourne sur le sujet français, c'est 15 millions de tonnes équivalent CO2 émis. Ça représente à peu près 3% des émissions nationales, ce qui montre et ce qui atteste en tout cas la puissance du gaspillage alimentaire dans l'équation globale de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, on a également essayé de rechercher quels étaient, pour chacune des briques de la chaîne, chacun des maillons de la chaîne, quels étaient les facteurs responsables de ce gaspillage. Alors, au niveau de la production, c'est majoritairement les process qui sont largement mécanisés. On a également la question du tri. C'est-à-dire que le cahier des charges qui est bâti entre le transformateur, le distributeur, voire le producteur, l'aspect du produit et son calibre n'est pas satisfaisant, donc on ne le garde pas. Également des enjeux sanitaires ou encore des difficultés également sur la surproduction. C'est vrai pour tout ce qui est produits agricoles où parfois on est sur des logiques de surproduction et le marché n'est pas forcément au rendez-vous et on jette. Et puis bien entendu, un enjeu de manque de circuits de valorisation au niveau de la production. Lorsqu'on se tourne maintenant sur la brique transformation, c'est là aussi des enjeux de tri. On revient sur cette question de la qualité du produit et parfois la qualité elle est essentiellement esthétique, si je puis dire, et donc ça peut générer du gâchis, des enjeux de stockage ou encore la question des process. Et puis, plus on remonte, on voit que les facteurs sont moindres, mais ils sont toujours là. Sur la distribution, donc en grande surface, ça va être essentiellement la prévision de vente. On a un stock qu'on conditionne par rapport à son enquête marché, par rapport aux prospectives que l'on peut mettre sur ses ventes, et parfois on est en décalage, donc on jette, ou encore la question de manque de circuit de valorisation, mes invendus ne trouvent pas d'exutoire et donc je les jette. Et enfin, lorsqu'on se tourne sur la partie consommation, c'est ce qui reste dans l'assiette et qui finit à la poubelle, c'est essentiellement grosso modo les restes qu'on a dans l'assiette, mais aussi les dates limites de consommation ou les dates de durée à maturité qui sont dépassées et qui génèrent là aussi le remplissage des poubelles. Je terminerai juste pour ne pas vous assommer sur ces chiffres, mais c'est important d'avoir un peu la photo. Je voulais mettre en exergue ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la valeur ajoutée de chacun de ces produits. Lorsqu'on regarde, par exemple, au niveau de la production, on prend le tonnage, c'est à peu près 4 à 5% de la tonne qui est gâchée. Donc en pourcentage, ça ne paraît pas beaucoup, mais en réalité, en volume et en tonne, c'est énorme. Ça veut dire que là aussi, on peut imaginer que de manière éparpillée, au niveau de la filière productive, on n'a pas forcément conscience finalement de l'enjeu des pertes, même si derrière, on les traduit de manière économique de façon concise, considérable. Et puis, de la même façon, je vous parlais de valeur ajoutée du produit jeté, du gaspillage. La valeur est beaucoup plus forte à la consommation parce que le produit a été transformé, il a été emballé, il a été marketé par la publicité et donc il a été vendu et quand on le jette, et d'ailleurs, on jette beaucoup de produits emballés, c'est 30 kg par habitant et c'est 7 kg de ces 30 kg qui sont des produits emballés dans la poubelle. Donc ça veut dire qu'on a là aussi un impact économique colossal qui s'appuie en plus de ça d'un contenu carbone extrêmement important lié à toute la chaîne de traitement et de fabrication de ce produit. Et puis je terminerai là-dessus. On peut regarder également plus en détail quels sont les grands, par secteur et par filière, les principaux contributeurs et à quel moment on gâche. Lorsqu'on est sur les produits les plus fragiles, les légumes et les fruits, c'est plutôt au niveau de la production, de la transformation que ces produits sont jetés. Principal facteur, c'est essentiellement la question du tri.
C'est-à-dire vraiment une adaptation, excusez-moi du terme, du produit par rapport à l'esthétique, par rapport au quali, par rapport en tout cas aux exigences du secteur de la distribution et de la consommation. Et lorsqu'on se tourne vers la production animale, c'est plutôt au niveau de la consommation. Donc c'est le bol de lait qui n'est pas consommé entièrement, le poulet qu'on finit pas, etc. Donc c'est plutôt dans l'assiette qu'on voit les pertes. En revanche, c'est des pertes qui sont modérées, mais dont le contenu carbone est extrêmement important. Donc il ne faut pas négliger ce secteur. Voilà un peu pour le panorama. Merci beaucoup, Jérémy. Alors, on va s'intéresser dans un instant à la ville de Courbevoie. Mais juste avant, je voulais qu'on revienne avec toi, Clément. Alors, je rappelle que Phoenix propose différentes solutions justement pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mais aussi donner une seconde vie solidaire aux invendus. J'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu pourrais peut-être revenir un peu sur les infos, les chiffres clés phares de Phoenix? Je sais qu'il y a une levée de fonds importante récemment. Et aussi, je voulais t'entendre sur le volet législatif. Où en est la France et qu'est-ce qu'il faudrait faire plus globalement pour accélérer sur ces sujets-là? Tout d'abord, je tiens à dire que je suis ravi de venir à Courbevoie, où je me suis rendu pas mal de fois ces derniers temps, toujours pour parler gaspillage et toujours avec arrache, parce que c'est une ville très pionnière en la matière. Petite réaction donc, sur les chiffres globaux du gaspillage. Oui, c'est un énorme problème, parce que c'est 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre selon les Nations Unies. Donc, on n'a pas affaire à un petit problème. Et puis, c'est un problème très large, parce que ça concerne aussi un gaspillage d'eau, de terres arables, etc. Donc, c'est un problème très, très complexe et qui a lieu sur toute la chaîne de valeur. En fait, moi, je dis toujours qu'il y a un point commun à toutes les personnes qui vendent des aliments en France, qu'il soit un industriel comme Danone ou un grossiste comme Pomona ou un producteur dans sa ferme. Ils ont tous des surplus. Ils ont donc tous des invendus, ils ont donc tous potentiellement du gaspillage. Donc nous, ce qu'on fait chez Phoenix, effectivement, c'est de valoriser ces produits-là. Et si on était en 2050, peut-être qu'en France, on arriverait effectivement à régler ce problème, peu ou prou, on va dire, parce que je pense qu'il y a une part incompressible du gaspillage, mais on pourrait tendre vers le quasi-zéro déchet alimentaire. Pour une raison très simple, c'est que la France est un pays pionnier. Alors je sais qu'on aime beaucoup s'auto-flageller et dire qu'on est les pires. On est quand même un pays pionnier et l'homme qui est à ma gauche y est pour quelque chose, à savoir qu'en France on a fait une loi en 2016, une loi relative à la lutte contre le gaspillage. On est l'un des premiers pays dans le monde à avoir fait une loi contre le gaspillage, une loi spécifique. On a aussi, et je tiens à le dire parce que je fais beaucoup de... Phoenix est une entreprise qui est présente à l'international, j'ai fait beaucoup de recherches en Belgique, en Italie, en Espagne, etc. Il n'y a pas forcément de données sur le gaspillage, on a la chance d'avoir l'ADEME, déjà on a la chance en fait, d'avoir une capacité à visibiliser le problème. C'est très important parce qu'en fait, la plupart des gens ne savent même pas ce qu'ils gâchent. Je veux dire, si vous allez voir un industriel aujourd'hui et vous lui demandez combien te coûte le gaspillage, il ne saura pas vous répondre la plupart du temps. L'ADEME a fait cette étude en 2016, c'est notre étude de référence. Ils ont fait d'autres études par la suite sur des cas spécifiques. Et c'est hyper important parce que ça permet de comprendre le problème. Et moi, je dis toujours, si vous ne comprenez pas qui est votre ennemi, comment voulez-vous le combattre? Donc, c'est très important d'avoir cette donnée disponible. Et la France a initié quelque chose en 2013 avec ce qu'on a appelé le pacte sur le gaspillage. Puis ensuite, on fait cette loi en 2016. Et cette loi a d'abord concerné les distributeurs. On va dire qu'elle avait deux dispositions phares. Un, ne plus rendre impropre à la consommation des produits encore consommables. Ça, c'est le texte de loi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez plus le droit de balancer de la javel sur des produits. C'était une pratique qui était plus ou moins courante dans la grande distribution. On ne saura jamais quelle part de la grande distribution le faisait, mais on sait que ça existait. Effectivement, c'était scandaleux de mettre de la javel sur des produits qui étaient encore consommables. Et puis la deuxième disposition, c'est de demander aux supermarchés de plus de 400 m² de s'engager dans une démarche de don en donnant leurs produits aux associations. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nouer un partenariat avec des assos pour faire un choix de société qui est celui de donner les produits, qui est un choix important parce qu'on ne demande pas aux magasins de réduire le gaspillage, on leur demande de tout faire pour le donner. Et c'est très important parce qu'on l'a peu évoqué, mais c'est un problème social, le gaspillage. En France, il y a 7 millions de personnes qui ont eu recours à l'aide alimentaire l'année dernière. Nous sommes un pays très riche, mais avec une précarité alimentaire extrême. La pauvreté alimentaire, elle n'est pas en Afrique. Elle est en Afrique, bien sûr, mais je veux dire, elle est aussi en bas de chez vous. L'aide alimentaire, il y a 10 ans, c'était moins de 3 millions de personnes. Aujourd'hui, c'est 7 millions. Donc c'est pas un problème conjoncturel lié au Covid. Avant le Covid, il y en avait 5 millions. C'est un problème structurel. La France a de plus en plus de précarité alimentaire. On parle beaucoup des gens qui ont du mal à faire leurs courses aujourd'hui avec l'inflation. Il y a des gens qui ne font pas leurs courses. Hein. Vous ne les verrez pas à la télé en train de dire que la facture est chère. Ils ne peuvent pas payer la facture. Donc, en redistribuant les surplus, on peut régler ce problème social. Et si on fait un ordre de grandeur, alors c'est pas une étude aussi sérieuse que celle de l'ADEME, mais je me suis amusé à faire une petite règle de 3 sur le tonnage. En fait, on gaspille 3 fois plus en France si on prend les chiffres de l'ADEME, hein, le tonnage des 10 millions de tonnes par an. On gaspille 3 fois ce qu'il faut pour donner 2 repas par jour aux 7 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire. Donc en fait, on a des volumes qui sont tels en termes de gaspillage que ce qui paraît être un problème peut être une solution à un problème social.
Maintenant, effectivement, on a fait cette loi en 2016. C'est une bonne loi parce qu'elle a été reprise. Ils ont fait ce qu'on appelait la loi GADA de mémoire en Italie, qui est globalement la même loi que celle qu'on a fait en France. Et ça a même été exporté dans des pays plus exotiques comme la Colombie, et ça a inspiré d'autres législateurs dans d'autres pays. Donc c'est une loi qui a eu un impact qui a dépassé la France. C'est-à-dire qu'en fait, oui, n'importe quel législateur peut se dire « on interdit de mettre de la javel sur des produits ». C'est quand même une mesure de bon sens et c'est une mesure facile à prendre. Donc beaucoup de pays nous ont copiés, et c'est tant mieux. Et puis par ailleurs, le législateur a légiféré par ordonnance et puis ensuite par la loi AGEC. Il a étendu les dispositions de la loi sur le gaspillage de 2016 à d'autres opérateurs, les opérateurs de la restauration collective, publics et privés, donc par exemple les cantines scolaires, mais aussi les restaurants d'entreprise, mais également ce qu'on appelle les opérateurs de gros, qui sont donc en fait les grossistes, typiquement ceux qui sont à Rungis et qui achètent des cajous de pommes par milliers, mais aussi les autres acteurs comme les industriels. Donc finalement, on a étendu ces dispositions parce que ça a bien marché. On a commencé par la grande distrie, ensuite on est remonté en amont de la chaîne et on a continué avec la loi AGEC. Et peut-être un mot rapide sur la démarche telle que je la lis. On a commencé avec quelque chose d'assez incitatif en France. On a fait en 1989 ce qu'on a appelé la loi Coluche. Elle porte bien son nom. Elle encourageait fiscalement les magasins à donner leurs produits aux associations en leur donnant une réduction d'impôt comme encouragement. Donc on a commencé par l'incitation. Cette loi a été gravée dans le marbre en 2003 par la loi Liagon. Donc c'est toujours en vigueur. Et donc en fait, on a eu un système essentiellement incitatif. Puis en 2016, on a commencé à dire bon bah, il y a une incitation, mais maintenant on va quand même vous obliger et vous contrôler, ce qui paraît normal. Et donc on avait la carotte, on a mis le bâton, et puis là, il n'y a pas longtemps, on a fait une loi qui s'appelle la loi AGEC et qui crée un label pour reconnaître les bons élèves. Donc on remet finalement une carotte pour dire bah, on a des magasins qui ont fait des choses, on a trouvé des solutions, montrons ceux qui font les choses bien pour inspirer les autres. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Et à échelle européenne, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire justement pour accélérer sur ces sujets-là et peut-être embarquer plus de pays ? Alors les objectifs de réduction du gaspillage alimentaire que s'est fixé la France sont de réduction de 50% du gaspillage d'ici 2025 et 2030 selon les secteurs. En fait, bon, la vérité c'est que ça vient des Nations Unies, puis de l'Union Européenne et ensuite seulement la France l'a intégré dans son droit. Ce n'est pas vraiment l'initiative du gouvernement français à vrai dire. Et donc oui, parce que l'Europe aujourd'hui a cette stratégie qu'on appelle Farm to Fork, de la fourche à la fourchette, qui est une stratégie qui vise effectivement à réduire le gaspillage en faisant des états des lieux, en faisant des études complémentaires, puisque comme j'ai expliqué, nous on a des études sur le gaspillage, mais ce n'est pas le cas de tous les pays, et en mettant en place des dispositifs pour inciter les états. Là il y a un collectif il n'y a pas longtemps qui réclamait que l'Union Européenne puisse mettre des amendes aux états qui n'atteignent pas les objectifs, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas contraignant aujourd'hui, c'est-à-dire que s'ils n'atteignent pas les objectifs de réduction du gaspillage, ils ne vont pas être punis d'une amende. Or, en France, quand vous tuez des gens parce que vous ne respectez pas les taux de pollution de l'air en France, vous prenez une amende en tant qu'État pour vous obliger à le faire. Je pense qu'il serait bienvenu que nous soyons obligés de respecter les objectifs de lutte contre le gaspillage, encore que la France est plutôt un bon élève et a peu de chances de prendre une amende. Mais effectivement, je pense que lier les États de façon contraignante avec des amendes à la clé, c'est une bonne incitation pour qu'ils mettent en place des choses. Il y a quelques instants, tu parlais de la ville de Courbevoie et tu as utilisé un mot que je vais reprendre, pionnière. C'est vrai que la ville de Courbevoie, aujourd'hui, est une bonne élève, on va dire, sur ce sujet du gaspillage alimentaire. Vous êtes précurseur, vous êtes même moteur, j'ai envie de dire. Arash, est-ce que vous pouvez revenir sur les engagements et les actions qui ont été menées par la ville de Courbevoie ? D'abord, merci Caroline, merci à Jérémy et à Clément d'être là, pour l'ADEME et pour Phoenix. Je voudrais d'abord remercier, vous pouvez l'applaudir, monsieur le maire de Courbevoie, Jacques Kosowski. Bonsoir, monsieur le maire. Mes collègues sont là aussi, Marie-Pierre Limoges, Valérie Sicholet, David Drexel, Nathalie Dederman. On ne peut pas dire que ce sont des élus, en fait. En réalité, ce n'est pas un élu ou deux. C'est monsieur le maire qui a voulu que la ville de Courbevoie puisse être portée sur ce sujet, être moteur sur cette question qui est essentielle et qui ne va pas simplement concerner les adultes, mais surtout la jeune génération, la nouvelle génération. En réalité, il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui font. La ville de Courbevoie a décidé, dans son projet, de façon extrêmement volontaire, dynamique, d'être moteur, d'être un laboratoire en France. Clément l'a évoqué, la ville de Courbevoie a pris la loi de février 2016 en main et a voulu l'élargir. L'élargir comment ? C'est ce que nous allons voir dans cette petite vidéo. Oui, alors je rappelle juste que ça, c'était l'année dernière. Oui. On était en octobre 2021. Exactement. Je crois que quelques mois plus tôt, c'était en février
2021. Il y a deux petites vidéos. La première, c'est la première charte. La deuxième, c'est les résultats. Exactement. Donc la première charte, c'était lié aux supermarchés, c'est bien ça? Exactement. La deuxième, c'est ensuite les résultats plus une nouvelle charte sur les hôpitaux et les cliniques. Donc on découvre une première vidéo qui est liée à la charte contre le gaspillage alimentaire à Courbevoie dans les supermarchés. Regardez. On regarde des Courbevoisiens, simplement, je ne parle pas des autres villes, des Courbevoisiens qui ont des difficultés. On s'aperçoit que de plus en plus, avec la Covid, parce qu'on sait qu'il va y avoir du chômage, il y en a déjà, on se dit quand même, ne gâchons pas, essayons d'apporter le maximum, pour au moins apporter un petit peu de soleil à ces Courbevoisiens. Le gaspillage alimentaire est au cœur de notre mission, c'est un combat qu'on porte avec Phoenix depuis 2014, et on est content, grâce à la ville de Courbevoie, grâce à Arache, grâce à Monsieur le maire, que ça devienne une cause municipale, et puis bientôt locale, régionale, un jour national, qu'on avance dans la bonne direction, avec l'énergie qu'il faut. Alors, la loi contre le gaspillage alimentaire a été votée le 3 février 2016, aujourd'hui nous fêtons les 5 ans. Phoenix y a œuvré très amplement. Cette loi a permis la distribution de plus de 10 millions de repas. Chaque année, c'est une hausse de plus de 22% du don alimentaire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que cette loi s'applique partout. Et qui mieux qu'une commune, qu'une municipalité, pour faire appliquer sur son territoire cette loi. D'où la signature de la charte contre le gaspillage alimentaire à Courbevoie aujourd'hui, 3 février 2021. Et nous avons réuni ici tous les dirigeants, tous les gérants de la grande distribution pour qu'il y ait un partenariat avec Phoenix, pour que l'acheminement en fait, du don des invendus alimentaires puisse se faire de façon, on va dire, beaucoup plus fluide entre les associations et les supermarchés. Je pense que la volonté de la municipalité de mettre en application va nous aider et va nous permettre d'avoir davantage de produits à distribuer en relation avec les commerces directs de Courbevoie. L'économie, elle est vraiment importante puisqu'on gère à la fois la proximité et ça nous donnera de la réactivité obligatoirement et les produits dont on a besoin pour distribuer aux bénéficiaires. Donc ça, c'est la première vidéo. Et c'est pas tout. Et vous allez voir la deuxième parce qu'il faut des résultats. Et c'est ce que vous allez voir en deuxième. Donc la deuxième, elle concerne les hôpitaux, c'est ça? Plutôt plus les résultats de les effets de cette première charte. Eh bien, on regarde. Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres, mais c'est le gaspillage. Chaque année, le gaspillage alimentaire représente environ 10 millions de tonnes de produits pour un coût estimé à 16 milliards d'euros. C'est pour cette raison que Courbevoie s'est doté il y a un an d'une charte contre le gaspillage alimentaire. Nous inaugurons aujourd'hui une carte interactive visant à répertorier tous les supermarchés qui collaborent avec des associations locales ou avec le centre communal d'action sociale de Courbevoie. Monsieur le maire, merci beaucoup. Il a été un des tout premiers députés français à signer la proposition de loi qui a été votée il y a 7 ans pile. Les conséquences de cette loi sont très simples. Une hausse de plus de 22% du don alimentaire en France. En un an, une charte qui coûte 0 euro pour le contribuable. 70 000 repas ont été sauvés en partenariat avec Phoenix. Nous avons saisi cette grande cause du gaspillage alimentaire, d'abord par les écoles. À Sceaux, eh bien, nous avons donc lancé ça avec 3 autres communes, la construction d'une cuisine centrale. Ce partenariat est le premier partenariat entre un hôpital français
et une commune. Je signe avec vous et je vous en remercie tout particulièrement, monsieur le maire, de faire confiance à notre hôpital. C'est 800 repas. À peu près en moyenne, 800 repas jour. On est en train de faire une étude beaucoup plus poussée, mais on évalue à peu près 30% de denrées, en tous les cas, qui sont jetées. Il n'y a aucun magasin en France qui prend du plaisir à jeter. Le Secours catholique a sorti un rapport qui s'appelle « Notre état de la pauvreté ». Ce rapport, il est alarmant. Il dit qu'il y a 10% des Français qui ont eu recours à l'aide alimentaire en 2020. En 10 ans, on est passé de moins de 3 millions à 7 millions. Il y a des gens qui sautent des repas tous les jours parce qu'ils ont fait de l'alimentaire une variable d'ajustement. La ville de Courbevoie, Arrache, monsieur le maire, sont des gens qui sont inspirants. Le gaspillage était traité avec des initiatives, je dirais, qui étaient un petit peu des initiatives isolées. Et aujourd'hui, il est généralisé par ce que vous propose Arrache et monsieur le maire. Et à peine avons-nous envisagé de le mettre en place à Poissy que tous les commerçants jouent le jeu, y compris les petits commerces de proximité. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de faire ensemble. On peut applaudir monsieur le maire et la municipalité. Hein. Donc voilà, donc, nous avons établi une année systématiquement de signature de charte pour ensuite les appliquer. Nous sommes en ce moment en train de discuter avec mes collègues Nathalie Ederman et Valérie Sicholet, qui a l'initiative notamment des tables de tri dans les écoles, pour pouvoir faire signer dans un conseil municipal assez proche avant décembre la charte de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les établissements scolaires de la ville. Nous allons ensuite les faire appliquer chaque année dans tous les secteurs d'activité. Et lorsqu'on parle de 2050, on aura déjà, nous, établi, dès la fin du mandat de monsieur le maire, déjà ce que la France devrait pouvoir faire. D'où le terme laboratoire. C'est Courbevoie sera clairement un exemple pour notre pays, pour les années à venir, et la façon dont nous voulons gérer les aliments, la relation de l'acheminement et surtout la façon dont nous voulons aider tous les citoyens. Parce qu'il n'est pas concevable, aujourd'hui à notre époque, que la nourriture aille dans une poubelle et pas dans le ventre ou de l'estomac d'une personne qui a faim, tout simplement. Merci beaucoup Arash, et je crois qu'on peut encore vous applaudir collectivement tous les actrices, acteurs dans la salle de la ville de Courbevoie pour vos actions sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors hop... Je voulais qu'on s'intéresse plus globalement, donc on parlait tout à l'heure donc du gaspillage alimentaire et plus globalement du sujet de l'alimentation. Donc sur ce volet plus global de l'alimentation, Jérémy, est-ce que tu peux nous rappeler les différents enjeux dont il faudra justement tenir compte dès maintenant pour 2050 ? Oui, merci. Je pense que c'est important aussi qu'on prenne le temps de discuter plus globalement de la question de l'alimentation durable, même si le lien entre gaspillage et alimentation durable et résiliente, on ne le voit pas systématiquement. Mais d'une certaine façon, vous allez voir, il y a des liens de cause à effet, si je puis dire. En tout cas, vous dire que l'alimentation, aujourd'hui, s'inscrit quand même dans un contexte assez particulier. Enfin, je ne sais pas si on est en 2050, donc la population, enfin, notre besoin alimentaire a doublé. La crise climatique devant nous, c'est renforcé. On a fait des efforts, mais on a toujours un climat qui a changé. Et puis, je m'engagerai moins sur le comment en 2050, mais certainement, nous serons encore, malheureusement, autour de crises, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient géopolitiques, qu'elles soient sanitaires. En tout cas, on est dans un contexte, un faisceau de contraintes assez compliqué qui rend notre système alimentaire extrêmement fragile. Quand je dis extrêmement fragile, c'est parce qu'il est en grande partie tributaire du vivant, et le vivant, il est forcément sensible à son climat, sensible à l'énergie qu'on lui apporte et puis comment également on le traite ou voire on le maltraite. Alors, je voulais mettre cela en évidence. Moi, je vais forcément vous parler majoritairement des enjeux climatiques vis-à-vis de l'alimentation. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'alimentation, ça représente un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. On parle beaucoup des émissions liées au transport, des émissions liées au chauffage, au bâtiment. Mais l'alimentation, c'est un quart de nos émissions. Grosso modo, si vous prenez votre bilan global sur une année, en moyenne, on est autour de 9-10 tonnes équivalent CO2 par habitant. Et ben, un quart de ces émissions-là sont liées à votre alimentation. Et en l'occurrence, dans cette alimentation figurent les fameux tonnes de CO2 liées au gaspillage, mais aussi à ce que vous allez avoir dans l'assiette.
C'est ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Bien sûr, à ce sujet de l'impact environnemental, on rentrera dans les détails aussi là-dessus tout à l'heure, mais c'est le volet occupation des terres et souveraineté. Aujourd'hui, on a une grande partie de notre alimentation qui est une alimentation importée. Comment, en 2050, on sera en capacité de retrouver une souveraineté alimentaire via ces circuits courts et via ces transformations agricoles qui seront largement à opérer, tout particulièrement pour l'Île-de-France, car certainement, vous le savez, nous sommes un territoire où 50% de sa surface sont agricoles, donc c'est quand même assez conséquent. Par contre, c'est majoritairement de l'agriculture céréalière. Donc je veux bien que 2050, on se nourrisse majoritairement de céréales, mais je ne crois pas que ce soit finalement le souhait de tous. Donc il faudra certainement, si on envisage en tout cas, et je pense que la région Île-de-France, je parle pour eux, mais ont appelé de leur vœu dans le cadre de leur plan régional sur l'adaptation au changement climatique qui a été publié il n'y a pas longtemps, appellent cette souveraineté régionale. Et donc, il faudra travailler sur ces reconversions agricoles, comme on fait pour aider, développer des cultures maraîchères, comme on fait pour aider éventuellement de l'agroforesterie, voire éventuellement réintroduire des cheptels et de l'élevage en Île-de-France. Donc, il y a cet enjeu de souveraineté et d'occupation des sols. Et puis, en rebond, si je puis dire, il y a l'enjeu bien sûr économique, à la fois sur les filières à créer, et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, l'accessibilité. Comment on rend une alimentation durable et résiliente accessible au plus grand nombre? Et donc là, il y a là aussi un enjeu qui est colossal pour essayer de toucher le maximum de personnes avec ces bons aliments dans nos assiettes. Et puis, sans parler des conséquences sur la santé ou des enjeux sur la sécurité alimentaire mondiale, pour vous dire que l'alimentation dans son ensemble, elle est extrêmement compliquée. Elle nous demande d'avoir une vision qui dépasse tout simplement le gaspillage alimentaire. Alors, juste avant de s'intéresser à la suite, et tu vas nous présenter Transition 2050 dans un instant, je voulais qu'on s'arrête à mi-parcours. En 2030, précisément, les Nations Unies se sont fixées comme objectif d'ici 2030 de, je cite, « réduire de moitié à l'échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et de diminuer les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d'approvisionnement, y compris les pertes après les récoltes ». C'est cohérent avec tout ce qu'on vient de se dire. Clément, comment on fait pour que ça marche et quels sont les principaux leviers à activer dès maintenant pour atteindre cet objectif dans 8 ans? Oh. Tu as 2 minutes. Je ne serai pas exhaustif sur les réponses au gaspillage, mais je pense qu'elles sont assez connues. En vérité, c'est plus une question d'ordonnancement et de mise en pratique. Par exemple, on sait que sur la production, il y a beaucoup de produits qui sont laissés au champ. C'est 32% du gaspillage en France. Le glanage est une bonne solution. Il y a des associations qui viennent glaner des produits qui sont laissés au champ. En fait, il faut comprendre que pour un producteur, parfois, c'est plus intéressant de laisser le produit mourir dans la terre que de le sortir de terre. C'est aussi plus intéressant que d'aller le transformer en soupe. Parce que vous vous dites, ah mais pourquoi est-ce qu'il ne le transforme pas en soupe, est-ce qu'il n'a pas vendu au distributeur? Mais ça lui coûte plus cher en fait. Parce qu'il va vous la vendre tellement cher la soupe en fait, qu'il ne la vendra pas, donc il ne gagnera pas d'argent. Donc en fait, il y a des questions de comment est-ce qu'on fait pour avoir des filières économiquement viables. Donc il y a des solutions comme celle-ci qu'on connaît bien, la transformation des produits, mais qui ne sont pas toujours faciles à mettre en place, parce qu'économiquement parlant, ce n'est pas toujours intéressant de le faire. Par exemple, sur la question des confitures, il y a une asso comme Rebelle qui fait des trucs géniaux avec des enseignes comme Monoprix, mais ça a ses limites en termes de volumétrie, en termes de prix de vente. Et donc, après, on a par exemple, sur la grande distribution, on connaît les solutions. Ils peuvent vendre en date courte, mais attention, parce que s'ils vendent tous les produits invendus en date courte, ils finissent par cannibaliser leurs ventes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez venir dans le magasin et puis au lieu d'acheter le camembert à 100% de son prix, vous allez l'acheter à moins 30%. Bah oui, bien sûr. Mais du coup, lui, il ne le vend pas son produit, lui, il ne gagne pas d'argent. Donc, c'est la question de la gestion des flux, en fait, si vous voulez, de façon très pratique. Il va pouvoir donner une partie des produits aux associations, mais il ne pourra pas tous les donner, parce qu'il y a des questions de préférence alimentaire, de choix des associations. Les gens qui sont dans les associations n'ont pas forcément envie de tout manger, ils n'ont peut-être pas envie de récupérer les sandwichs triangle, ils ont peut-être un régime alimentaire spécifique qui fait qu'ils ne mangent pas de porc, pour des questions par exemple confessionnelles. Donc ils n'ont pas non plus obligé de tout prendre. Et puis il y a les produits interdits aux dons. On n'a pas le droit de donner les abats, les crevettes, les steaks hachés, les produits à base de crème pâtissière, j'en passe des meilleurs. Donc en fait, il n'y a pas une solution miracle, malheureusement. En fait, nous, on accompagne des magasins vers le zéro déchet alimentaire. En vérité, on les amène vers 85-90% de valorisation. Quand on les prend en charge, en général, hein, pour ce qu'on appelle la GMS, la grande et moyenne surface, ils valorisent 20% de leurs invendus. Donc ils ont quand même un peu de marge. Il y en a qui sont très bons, hein, mais en général, c'est 20%. Et nous, on les mène à 85%. Pourquoi on ne les mène pas à 100%? J'ai souvent des journalistes qui me posent la question. Mais la réponse est très simple, c'est que
Il y a des gens qui prennent des produits dans les magasins et qui les remettent à un autre endroit. Du coup, la chaîne du froid est rompue, le produit doit finir à la poubelle. Il y a des chocs de palette, il y a des produits qui sont oubliés, qui passent la date. Il y a plein d'aléas, parce qu'en fait, le gaspillage, c'est beaucoup d'aléas. Pour un producteur, il y a les aléas climatiques, par exemple. Donc, en fait, il faut gérer l'aléa. Pour ça, il faut mettre en place des choses. Nous, Phoenix, on connecte les magasins avec des assos. Des fois, l'asso ne peut pas passer. Des fois, le camion frigorifique l'a lâché. Des fois, les bénévoles sont malades. Ben, on trouve une autre association en remplacement. Et en fait, ça, c'est un travail qu'il faut faire d'organisation pour réussir à aller au bout de la démarche. Et par exemple, nous, il y a des magasins, on les branche avec des récepteurs animaliers. Pourquoi ? Parce qu'il y a des produits qu'on n'a pas réussi à donner ou à vendre aux êtres humains, mais des fruits et légumes qui sont trop abîmés pour être vendus en date courte aux consommateurs de façon digne, disons, pour le magasin, et qui sont aussi trop abîmés pour être transportés vers une association, vont faire le bonheur de cochons, de poules, qui, eux, s'en fichent complètement de l'aspect des produits. Mais moi, je ne connais pas un magasin qui est capable d'arriver au zéro déchirement alimentaire avec une solution, ça n'existe pas. Et puis, dernier point peut-être qu'on peut évoquer, c'est la question de peu technologique, on va dire. J'ai un peu foi, des fois, dans les solutions d'avenir. Donc, il y a par exemple aujourd'hui des sprays, alors je ne les ai pas testés, mais il y a des sprays qu'on peut mettre sur les fruits et légumes et qui prolongent la vie des produits. Donc, en faisant une espèce de carapace, on va dire, qui permet de prolonger la vie du produit sans mettre en danger la santé des gens, en tout cas, c'est ce qui est dit. Ça peut être intéressant aussi, parce qu'il y a la question de prolonger la vie des produits qui permet de trouver des solutions aussi. Dans les leviers, il n'y a pas une question de moyens aussi ? Il y a une question de moyens, il y a une question qui est assez régulièrement soulevée, qui est le manque d'infrastructures. Donc je parlais un peu du modèle économique, c'est-à-dire que je pense que l'État pourrait mettre en place des modèles économiques à base d'exonération de TVA ou d'incitation fiscale ou de pénalisation dans certains cas. Donc, par exemple, les distributeurs, on le sait peu, hein, les gens s'imaginent que Leclerc, ils adorent jeter des produits. Non, Leclerc, ils n'aiment pas jeter des produits. Un, parce que ça leur coûte du pognon, et chez Leclerc, ils n'aiment pas quand ça leur coûte du pognon. En fait, quand ils mettent un produit en destruction, c'est-à-dire en fait, quand leur prestataire déchets, Veolia, Suez, Paprec, de Richebourg, ils viennent et ils collectent les déchets, ils leur adressent une gentille facture à la fin du mois. Et cette facture, elle est proportionnelle au volume de déchets qu'ils ont. Donc mécaniquement, plus ils ont de gaspillage, plus ils payent. Donc eux, en fait, ils veulent pas le voir, le mec de Veolia, et lui payer une énorme facture, ça les intéresse pas. Nous, on arrive à faire baisser la facture Veolia. Des fois, ils sont pas très contents parce qu'ils se pointent en magasin et en fait, ça coûte pas, la facture est pas très élevée. En fait, ça coûte du pognon, le gaspillage. Donc une chose qu'on pourrait faire, c'est augmenter le coût des déchets. Donc c'est le cas, hein, la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, augmente d'année en année, elle augmente de plus en plus vite. Donc plus on jette, plus ça nous coûte d'argent et donc plus ça incite à faire quelque chose. Ça, c'est un premier mécanisme. Ensuite, il y a le mécanisme d'incitation. Donc là, en l'occurrence, en France, on a une incitation fiscale. Elle n'est pas parfaite, mais elle permet quand même d'incentiver un minimum pour faire les choses. Donc je pense que c'est une question de législation pour créer les conditions pour qu'on saisisse ces solutions qui existent. Je crois que c'est Arash qui parlait tout à l'heure de l'effet générationnel. Est-ce que ça aussi, est-ce que justement le renouvellement des générations, et on le voit aussi avec les nouvelles générations et la prise de conscience plus globale, peut être un levier ? Oui, alors je ne vais pas faire d'agisme, hein, mais j'ai rien contre vous si vous avez plus de 60 ans, mais c'est vrai que dans les directions RSE, on a des gens, des fois, nous, des interlocuteurs. On est une entreprise on est une entreprise solidaire d'utilité sociale, mais on a quand même 210 salariés, on a une grosse activité, et tous les directeurs RSE des centrales d'achat, on les connaît. Et je peux vous dire que quand un jeune prend le pouvoir, ça change des choses pour nous, parce qu'il y a des gens qui sont dans un certain confort de « on a toujours fait comme ça, on a toujours jeté, c'est pas grave, on continuera ». Il y a des jeunes qui arrivent et qui disent « bah non, en fait, ça me coûte de l'argent, c'est pas grave, je le fais quand même. C'est pas intéressant économiquement de lutter contre le gaspillage, je m'en fous, je le fais quand même ». Et ça, ça nous fait beaucoup de bien, parce qu'en fait, on a besoin de renouvellement générationnel, parce qu'en fait, il nous est généralement profitable. Je prends souvent, alors je ne veux pas caricaturer la grande distribution, hein, mais il y a dans la grande distribution, un peu comme dans les familles de médecins, souvent le papa était lui aussi médecin, bah, c'est un peu pareil dans la grande distri. Donc souvent, ils ont poussé les caddies de papa, et puis ils ont l'habitude de voir du gaspillage, si vous voulez, c'est devenu quelque chose d'indolore pour eux, parce qu'ils l'ont toujours connu. Et rompre avec les pratiques, accompagner le changement, faire en sorte qu'ils disent « bah non, en fait, je ne vais pas jeter ça, je vais faire autre chose avec », c'est pas facile, en fait, dans un métier qui a un certain conservatisme, on va dire. Je crois qu'Arash, tu voudrais me rebondir. Je voudrais nuancer, Clément, pour une raison très simple, c'est que la loi que nous avons portée en 2016, moi j'ai été énormément soutenu par des personnes très très âgées. Pourquoi ? Parce qu'elle nous disait que pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne jetait pas la nourriture. Et j'ai eu de soutien, mais incroyable, de personnes qui avaient fait la Seconde Guerre mondiale, ou j'ai reçu des appels, qui ont dit « voilà, monsieur, nous, pendant ces périodes-là, nous ne jetions pas. Le pain était important. » Donc parfois, il y a des jeunes cons, on va pas... Aussi. Il y a des personnes un peu moins jeunes qui ont une certaine sagesse, souvent, qui fait que ça booste.
Je pense que ce genre de sujet doit tous nous unir, nous Français. Parce que d'abord, c'est un sujet qui est universel, ça concerne tous les humains. Un enfant peut avoir faim comme un adulte peut avoir faim. C'est un sujet qui doit vraiment nous unir. Ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'au départ, lorsque on avait initié la loi sur le gaspillage alimentaire, j'étais un peu chien fou. Mais j'ai compris que sur ces sujets-là, il ne pouvait pas y avoir d'adversaire en réalité. Et j'ai avec le temps compris qu'il fallait notamment essayer d'amener tout le monde sur ce sujet-là. Je comprends tout à fait, Clément, hein, quand tu parles de décision. La réalité, c'est que si on n'amène pas la population avec nous et même les vrais décisionnaires qui sont jeunes ou moins jeunes, on n'y arrivera pas. Oui, non, mais c'était une généralisation parce que c'est une tendance que nous on observe et elle est concrète. Enfin, vraiment, on a eu des choses qui ont changé grâce à des changements, des renouvellements générationnels. Mais ma grand-mère aussi, qui a connu la guerre, l'occupation allemande dans le Nord, ne voulait pas qu'on jette des choses. Donc, mais pour des raisons différentes, pas forcément écologiques. Je pense que ça change aussi de ce point de vue-là. Et par ailleurs, de mon expérience propre, moi, on travaille, on est une entreprise gentille, on travaille avec les grands méchants de la grande distribution. Puis des fois, on se rend compte qu'en fait, de façon, moi j'étais le premier surpris, hein, des Intermarchés, des Leclerc, des enseignes qui ont parfois une image un peu difficile. Je suis tombé sur des gens hyper humains qui me disaient mais moi je veux mettre les produits en date courte, c'est hyper important pour moi parce que j'ai une action sociale, j'ai une responsabilité vis-à-vis de la société et je veux que les gens viennent dans le magasin et puissent se nourrir à un prix correct et c'est important, c'est ma mission. Et donc en fait ils ont une mission. Et je rappelle souvent, parce qu'on l'a oublié, mais après la guerre, on disait que la mission de Carrefour, quand ils se sont créés comme grands distributeurs, c'était de donner accès aux gens à la nourriture, qui avait tant manqué pendant la guerre. Et donc ils ont une mission historique, qui est de nourrir les gens à un prix accessible. Ça a entraîné certaines dérives, mais ils en sont quand même conscients de cette mission qu'ils ont. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils acceptent de mettre des bacs date courte dans les magasins, de faire du don aux associations. Ils n'ont pas forcément besoin qu'on les oblige par des mécanismes régulateurs. Mais je pense qu'on a besoin de mécanismes régulateurs pour que tout le monde joue le jeu, parce que moi, je ne trouve pas ça normal qu'il y ait un magasin qui fasse les choses bien. Il y en a un Intermarché, par exemple, à Courbevoie, qui fait les choses super bien. Mais il n'y a pas de raison que lui joue le jeu et les autres non, en fait. Je voulais juste revenir avant d'évoquer un autre sujet. Pour finir sur les leviers, quand on échangeait avant cette conférence, tu me parlais également des petites associations versus les grandes associations, grosses associations, où là encore, je reviens sur le sujet des moyens, mais il y a donc un sujet aussi de valorisation et de donner les moyens nécessaires à toutes les associations, et notamment les petites associations. Oui, parce qu'il y a un problème infrastructurel, en fait. Il y a des associations qui... Il existe en France ce qu'on appelle des aires associatifs. Je sais que personne n'y pense, mais en fait, il y a des endroits où il y a des distributeurs, des grossistes, des industriels qui cherchent à donner leurs produits et qui n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas d'associations habilitées à l'aide alimentaire qui sont en capacité de prendre ces produits. Pourquoi ? Parce que pour prendre les produits de Danone, hein, par exemple, ou de Lactalis, eh ben, il faut des meubles froids. Il en faut de façon conséquente parfois. Et donc on a des associations qui peuvent prendre que le sec et qui vont par exemple passer sur un distributeur mais ils ne prendront que les produits d'épicerie. Donc en fait on a toute une partie des produits qui se perdent quand même. Et il y a un enjeu à donner aux associations les moyens de faire, c'est-à-dire leur donner le camion frigorifique qui leur permet d'aller chercher les produits. Et ça coûte cher un camion frigorifique et ça coûte cher aussi en essence. Donc leur donner ces moyens d'aller collecter, stocker, distribuer les produits. Et tant qu'on n'a pas cette capacité à faire, tant qu'on ne donne pas à ceux qui distribuent les produits les moyens de le faire, et ben en fait, on a une loi qui est une loi de papier, on a une loi qui est complètement inopérante. Donc c'est un souci, et je trouve ça incroyable qu'il y ait des gens qui essayent de donner et qui n'y arrivent pas. En fait. Je voudrais ajouter, à Clément, la loi du 3 février 2016, dont M. le maire, qui était député, a été un des tout premiers signataires, cette loi a permis de faire émerger deux sortes d'associations. Nous avions en France les associations, ce qu'on appelle les associations agréées, c'est-à-dire les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, le Secours Catholique, Secours Populaire. Et grâce à cette loi, nous avons eu ce qu'on appelle l'émergence des associations habilitées. Qu'est-ce que c'est qu'une association habilitée ? C'est que n'importe qui ici dans cette salle peut créer sa petite association. Et si vous n'avez pas la logistique, si vous n'avez pas le camion, vous pouvez tout de même aller voir la préfecture, mettre dans l'objet social que nous voulons aider les autres, œuvrer à la lutte contre le gaspillage alimentaire par exemple. Vous allez demander au supermarché les invendus alimentaires. Et si le supermarché refuse, grâce à cette loi, c'est une amende de 10 000 euros. Et cette loi, elle s'impose uniquement aux supermarchés de plus de 400 mètres carrés. La ville de Courbevoie est allée au-delà de la loi. Elle permet à tous les supermarchés en France, sans plancher ni plafond,
de redonner ces invendus alimentaires. C'est pour ça que la ville de Courbevoie est pionnière, c'est qu'elle allait au-delà de la loi. Je me permets juste, Caroline, monsieur le maire, si vous me permettez de venir, parce que je voudrais qu'on officialise un chiffre qu'on vient de... On sauve. Si vous me permettez, monsieur le maire, de l'annoncer devant les habitants. Monsieur le maire va nous rejoindre sur scène. Et après, je... Merci. Avant, je voudrais quand même faire un rappel et vous écouter sagement. On s'aperçoit quand même que si on fonctionne, c'est que tout repose sur les maires. Si tous les maires de France voulaient se donner la peine, on arriverait à faire quelque chose. Si tous les maires d'Europe voulaient se donner la peine, on arriverait à faire quelque chose. Mais que ce soit dans le gâchis alimentaire ou que ce soit d'ailleurs dans l'écologie ou l'environnement, c'est nous. N'attendons pas, je répète à chaque fois et mes collègues l'entendent, quelque chose des gouvernements, quel qu'il soit. Rien du tout. Vous avez fait des annonces, oui, en 2050. Mais madame, non, rien. Les milliards qu'on a prévus dans les COP 21 et tout ça pour l'environnement, c'est rien. Il n'y a que les maires qui peuvent faire quelque chose. C'est la seule chose. Regardez, pendant la Covid, grâce aux maires, on a pu soigner. On a pu avoir des masques, on a pu avoir des vaccins. Ce n'est pas l'État qui l'a fait. C'est quel qu'il soit, d'ailleurs. Donc, c'est ce que vous dites, c'est vrai. Mais n'attendez pas des entreprises. Faites-le vous-même. Allez voir les maires et leur demandez-leur ce qu'ils peuvent faire. Alors maintenant, non mais c'est vrai, franchement, n'attendez pas autre chose, parce que sinon vous n'y arriverez pas. Tout à l'heure tu te parlais des tables de tri, c'est vrai, les tables de tri ça permet quand même à quoi? Ça permet aux enfants qui ont gâché un peu de nourriture d'aller mettre ça dans les tables de tri et regarder combien ils ont gâché. Vous pouvez être sûr qu'au bout d'un moment quand ils vont arriver chez vous, ils vont peut-être faire attention au gâchis alimentaire. Et les parents vont peut-être dire, c'est vrai, après tout, nous on gâche aussi, on va faire attention. Je crois que c'est comme ça qu'on arrive à faire quelque chose, c'est pas autre chose. Alors c'est vrai, le repas depuis, on a distribué 200 000 repas. Voilà ce qu'on a fait pour la charte. Il suffit pas d'avoir une charte et de rien faire. Si on fait quelque chose, c'est pour le prouver. Et on fait la même chose pour l'environnement, vous savez. Mais franchement, parlez-en à tout. Quand vous faites des conférences, demandez au maire. Est-ce que vous faites les gâchis alimentaires? Ah ben non, je sais pas. Bah demandez. Arachi va y aller. Il va y montrer. Non, franchement. Non, mais allez-y. Message au maire de France. Merci. C'est comme pour ça qu'on a fait petit à petit, si vous voulez, toutes les villes aux alentours. Et les villes aux alentours sont gênées, disent tiens, il fait là, pourquoi on ne fait pas? Et donc les habitants disent, ils font sur Courbevoie. Qu'est-ce qui se passe aussi? On a fait une épicerie solidaire. Pourquoi une épicerie solidaire? Parce qu'on considère qu'un Courbevoisien ne doit pas manquer de repas. Il doit manger. Peut-être pas toujours ce qu'il voudrait, mais il doit pouvoir manger. Donc pour 1 ou 2 euros, il vient, parce que je ne veux jamais faire gratuit. Je n'aime pas. Donc on met au moins 1 euro et on remplit son caddie. Ça, c'est important. La même chose que pour le sport, chaque enfant peut faire du sport, quoi. S'il n'a pas les moyens, il vient voir le maire, on l'aidera. Évidemment, si c'est du golf ou tout ça, je suis désolé, c'est difficile. Non, mais tout peut arriver, vous savez. Je crois qu'il faut vraiment se reposer sur les maires, quels qu'ils soient. Alors, c'est vrai qu'il y a des maires qui sont vieux, si je suis désolé, ça arrive. Mais enfin, ils vont quand même de l'avant. Voilà, c'est pour ça. Bah oui, mais c'est les générations. J'étais avec une dame à côté, là ça te fait mal, quoi, elle a dit, hein, d'accord. Mais ça fait rien, on continue. Vous savez, il faut accepter son âge, puis savoir ce qu'on est capable de faire. Et que le gâchis alimentaire, vous voyez, c'est moi qui l'ai fait, avec arrache. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc, super important, 200 000 repas, et donc ça depuis le 3 février 2021, c'est ça? Depuis la signature de la première charte, oui. La ville de Courbevoie officialise le fait d'avoir sauvé 200 000 et redistribué 200 000 repas, parce que ce n'est pas juste sauver, c'est redistribuer aux associations caritatives, aux CCAS. Ce sont des vrais résultats, c'est concret. C'est-à-dire que ce que le maire... C'est le maire qui l'a décidé, il l'a fait voter au conseil municipal. En 2 ans, nous avons sauvé 200 000 repas, je ne sais pas si les gens se rendent compte. Ça, si toutes les villes de France l'appliquaient, d'ailleurs je me permets de le communiquer, la ville de Puteaux par exemple, le 18 octobre prochain, fait voter cette charte, toutes les villes des Hauts-de-Seine vont le faire voter, et ainsi de suite, avec l'application Phoenix. Là on a par exemple Hassan Ali qui vient de gagner, vous pouvez l'applaudir, c'est l'application Fullsoon, il est là. Monsieur le maire de Courbevoie l'a rencontré. C'est une application qui est extrêmement avant-gardiste sur la restauration scolaire. Voilà, je pense que cette jeune génération qui est start-upeuse aide évidemment les élus, aide les maires, et permet justement à œuvrer à l'intérêt général. Et ça, c'est très important. Et la dernière chose que je me permets de vous dire, c'est que là, nous avons œuvré sur la partie des supermarchés et sur la partie des cliniques et des secteurs de santé.
mais nous irons sur la prochaine étape sur la restauration scolaire, puis la restauration collective, les EHPAD, les boulangeries. Et, ça serait, et c'est bien que la nouvelle génération soit présente aussi, notamment dans cette salle, parce qu'elle elle pourra ensuite récupérer ces chartes et les mettre en application aussi. Donc, et on le verra par rapport à la remise de prix. Voilà. C'est pas fini. Jérémy, je voulais qu'on revienne sur l'exercice de prospective que vous avez fait, qui repose sur 2 ans de travaux, qui s'appelle Transition 2050. Alors, on va le voir en synthèse, parce que je vous donne rendez-vous demain, si vous n'avez rien prévu, à 15h. Rejoignez-nous, on en parlera plus largement avec 4 personnes de l'ADEME qui ont travaillé sur ces travaux. Je rappelle donc le principe, vous avez travaillé sur 4 scénarios qui permettraient d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et bien évidemment, dans ces scénarios, on parle d'alimentation et de gaspillage alimentaire. Oui, merci. Alors déjà, souligner bravo pour le chiffre qui a été annoncé. Et c'est vrai que j'avais demandé la parole juste avant votre venue, monsieur le maire, pour souligner l'importance justement de l'incarnation d'un projet hein, tel qu'il soit en faveur de la transition écologique par les élus. Et on sait que c'est souvent eux qui portent et donc qui fédèrent et qui sont en capacité aussi de traduire l'expression et le besoin de son territoire. Et c'est ainsi qu'on a d'ailleurs pu développer pas mal de projets dans les fameux déserts associatifs où finalement, fort d'une problématique, on a pu derrière y adosser des séries de solutions et faire venir parfois des assos et les soutenir. Donc c'est extrêmement important de s'appuyer sur le regard des élus. Et justement, dans ces différents scénarios, alors 2050, est-ce qu'on projette, ça ne sert pas à rien, ça sert à nous projeter justement sur les différents chemins que l'on peut prendre pour atteindre cet objectif qui nous est imposé d'une neutralité carbone. Alors derrière ce terme de neutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2050, on ne doit plus émettre aucun gaz à effet de serre. Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux. 450 millions de tonnes de CO2 sont émises chaque année. On a à peu près 50 millions d'euros qui sont absorbés par nos sols, par nos arbres, nos forêts, etc. Le reste, ça va être des efforts, des actions à mener, de l'innovation, des changements de comportement, tout ça. Et finalement, on a essayé de le graduer selon 4 grandes histoires possibles et à imaginer collectivement dans une logique de cohérence interne. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les comportements avec, en lien, des évolutions de gouvernance en lien avec des réorganisations des modèles économiques, en lien avec nos stratégies autour de l'innovation et de la réindustrialisation. Donc, sans rentrer dans le détail, je pense que demain, vous allez avoir un panorama exceptionnel. Je vous invite véritablement à y aller parce que vous avez vraiment les grands experts de l'ADEME sur les thématiques en question qui seront présents. Et vous avez de la chance, je serai certainement avec vous aussi parce que je n'ai pas eu encore l'occasion de les écouter porter leurs thèmes. Mais grosso modo, on a un scénario numéro 1 qui est un scénario qui met en évidence un vrai bouleversement de nos modes de vie. Ça veut dire qu'on va avoir une société qui s'appuiera essentiellement sur la sobriété et dans nos comportements, dans les gestes du quotidien, nous tous, individus, on va revoir nos pratiques sur notre consommation alimentaire, sur nos déplacements, sur également nos critères de choix par rapport à tout ce qui nous est offert dans ce qui est de l'ordre du service et de la consommation. Donc ça va avoir une incidence finalement en cascade sur les différents modèles qui vont se dessiner dans le secteur économique. La gouvernance, elle est plutôt, on va dire, locale et rurale. On va avoir là une volonté, en tout cas, dans les modes de vie, de se rapprocher de la nature, se rapprocher de la terre, si je puis dire, dans ce scénario dit de génération frugale. Le scénario numéro 2, c'est un scénario qui est plus proche, finalement, de ce qu'on voit se dessiner, c'est-à-dire des logiques de coopération territoriale, c'est-à-dire, à l'instar de ce que j'ai pu entendre, en tout cas, depuis tout à l'heure sur le terrain, c'est-à-dire un contrat social qui est bâti entre des élus et des citoyens vers le chemin à prendre pour parvenir aux objectifs de neutralité carbone. Exemple, les initiatives qui sont portées aujourd'hui sur certains territoires franciliens de conventions citoyennes, forums, de cités, d'agora, si je puis dire, en tout cas sur les enjeux de transition écologique pour bâtir et construire des plans climat, pour bâtir des stratégies de zéro déchet, pour bâtir des défis écologiques, etc. C'est typiquement ce genre de choses qu'on verra apparaître dans ce scénario permettant d'atteindre la neutralité carbone. On est là sur là aussi une certaine rupture dans nos modes de vie, mais on aura finalement des choix assumés et des compromis décidés collectivement. C'est-à-dire si on se dit on consomme 3 fois moins de viande en cantine scolaire, c'est un choix qui sera issu d'un compromis décidé par la cité.
Voilà, donc c'est juste un format qui nous permet d'atteindre la neutralité. Ensuite, les deux autres, pour aller rapidement, c'est des scénarios qui sont plutôt, qui font plutôt le pari sur l'innovation technologique. C'est-à-dire que dans le scénario numéro 3, on va être dans la technologie verte, où finalement, ça va être l'efficacité de nos produits, de nos services, ça va être l'émergence également d'innovations qui nous permettront finalement de réduire nos impacts carbone et d'atteindre la neutralité. Et enfin, le scénario numéro 4, c'est le pari réparateur, c'est-à-dire qu'on ne change rien dans nos comportements. On reste quand même sur une gouvernance plutôt internationalisée, globalisée. Et dans ce scénario-là, on compense finalement nos émissions par l'établissement de stockage carbone en capacité de compenser finalement les émissions que l'on aura émises de par nos modes de vie. Alors, peut-être pour terminer rapidement là-dessus, on a voulu volontairement contraster. On ne sait pas quelle sera finalement la situation en 2050. Malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir. Mais pour vous dire que ça démontre et ça atteste quel est le modèle de société vers lequel on veut se tourner. Donc finalement, cet exercice-là a plutôt vocation à enclencher la discussion, à enclencher le débat, à la fois au niveau local, lorsqu'il s'agit de, comme je vous disais, d'agora, de conventions ou même d'échanges entre associations, jusqu'au niveau national, aujourd'hui, où se dessine la nouvelle stratégie nationale bas carbone, où on espère que le gouvernement et puis les ministères en charge de l'exercice s'inspireront de cet exercice. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Peut-être un dernier focus sur... Je vais faire avancer les animations. Ok, on peut aller tout de suite dans le global. Finalement, dans ce scénario-là, dans ces scénarios, on a essayé de montrer les enjeux d'interdépendance. Et c'est extrêmement important, je vais vous expliquer pourquoi. La transition écologique passera par nos assiettes, ça c'est certain. C'est certain parce que quand on y regarde, finalement, ce qu'il y aura dans nos assiettes va conditionner en grande partie l'organisation de notre agriculture. Donc est-ce qu'on va avoir une augmentation du cheptel animal? Est-ce qu'on va avoir davantage de terres à investir et donc certainement déforester pour pouvoir cultiver davantage d'aliments? Voilà, donc il y a une sorte de dépendance finalement entre l'orientation que l'on aura sur notre alimentation et puis tout le système qui se mettra derrière pour pouvoir répondre aux besoins de l'assiette. Et donc en ricochet, je vous disais tout à l'heure qu'on a une magnifique biomasse qui aujourd'hui capte le carbone. Si la biomasse est utilisée pour libérer de la terre agricole ou utilisée pour autre chose, il faudra compenser. Donc c'est important d'avoir cette vision globale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire que ça y est, je mange moins de ceci ou moins de cela, ça suffira. Finalement, il faut avoir une vision beaucoup plus complète de l'occupation du sol par rapport à notre alimentation et en conséquence, en rebond, identifier quelles vont être les conséquences. Donc là, demain, Sarah Martin vous donnera une photo extrêmement précise du sujet de l'alimentation durable et cette interdépendance entre ce qu'on a dans l'assiette, ce qu'on a au champ et finalement comment cette biomasse qui a certes une vocation alimentaire peut aussi avoir une vocation énergétique ou une vocation de captage de carbone. Et finalement, on est face à des conflits d'usage, si je puis dire. Il faudra décider demain quelles sont les destinations les plus pertinentes pour notre modèle choisi et désiré. Et enfin, bon, ça c'était la fameuse, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces trois cercles du développement durable, on retrouve la même chose finalement dans l'alimentation. On a le premier cercle qui va concerner le volet social, on va dire l'enjeu de sécurité alimentaire, de nutrition et de santé, qui se couple également au volet économique, en l'occurrence concernant le volet emploi, accessibilité ou encore rémunération de la chaîne de valeur, qui se couple bien sûr à cet enjeu d'empreinte carbone. Un quart de nos émissions, c'est l'alimentation. Et finalement, quand on va adresser ce sujet de l'alimentation, il faudra vraiment qu'on ait cette vision d'ensemble, pas uniquement le sujet climat, pas uniquement le sujet économique, pas uniquement le sujet social, mais vraiment cette vision globale à l'instar de ce que l'on peut avoir dans le développement durable. Et puis, bon, ça, c'est des petites plaquettes. Et je vous invite à vous rendre au stand ADEME, là, au niveau du Festival Atmosphère. Je crois que c'est notre première fois qu'on est au stand. On a toujours été partenaire, mais première fois au stand. Donc, on a une série de documentations qui ont, je ne vous cache pas, une vocation plutôt tournée autour du chauffage en ce moment, parce que c'est un petit sujet. Mais on a quelques éléments sur l'alimentation et le gaspillage alimentaire. Et ça, c'est une plaquette de santé publique qui donne finalement quelques indications sur qu'est-ce qu'il va falloir changer, réduire ou éviter demain pour se tourner vers une alimentation saine et durable. Ça fait beaucoup de slides, finalement, j'avais oublié que j'en avais mis autant. Je ne vais pas vous assommer, mais voilà les messages clés, grosso modo, c'est ça. S'il faut retenir mon propos sur 2050, comment sera notre alimentation? C'est une alimentation qui sera équilibrée, qui sera à la fois en capacité de rééquilibrer les apports végétaux et animaux, qui sera une alimentation
là aussi, on va dire, sensible de concilier santé environnementale et économie, qui sera en capacité, bien sûr, d'intégrer dans son processeur le gaspillage alimentaire, réduire le gaspillage alimentaire, et puis, bien sûr, réorienter notre agriculture pour, comme je vous disais tout à l'heure, travailler cette souveraineté locale, nationale, qui est essentielle à la fois pour le climat et puis pour notre économie. J'ai une question que je voulais vous adresser, une question ouverte à tous les trois. Est-ce qu'il n'y a pas également un enjeu de faire davantage dialoguer entre les différents acteurs dans une logique plus systémique, on va dire, où, par exemple, tous les maillons de la chaîne œuvreraient ensemble pour trouver de nouveaux modèles ? Je vous donne un exemple hyper concret que m'a partagé Céline Lenné, qui devait être là ce soir. Elle me donnait l'exemple de Kitok. Je ne sais pas si vous connaissez cet acteur dans la salle. Le principe, c'est que vous recevez des kits chez vous avec l'ensemble des aliments, une recette, et vous pouvez, avec tous les ingrédients nécessaires, faire votre recette. Et elle m'expliquait qu'aux États-Unis, il y avait le même acteur, mais à la différence que cet acteur aux États-Unis, il avait des fermes intégrées. Et du coup, il gérait tout le système de la chaîne et ça lui permettait, au regard des commandes, de bien gérer toute la production avec ses fermes intégrées. Voilà un exemple concret. Est-ce que, encore une fois, c'est pas quelque chose sur lequel il faudrait accélérer ? Est-ce que c'est pas un levier qui permettrait de trouver des nouveaux modèles ? Qui veut répondre ? Arash, il m'envoie la patate chaude. Non, c'est une question très complexe parce que on a eu tendance à plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire à spécialiser les modes de production. On a la distribution spécialisée aujourd'hui. On a même les distributeurs qui se recentrent sur l'alimentaire parce qu'ils sont concurrencés par Amazon sur le non-alimentaire. Donc, je vois une enseigne comme Grand Frais, par exemple, c'est carrément, enfin pour vous expliquer, c'est le frais est géré par une société et les fruits et légumes par une autre. On est vraiment sur des choses très très spécialisées et c'est ce qui permet d'avoir aussi une grande qualité de produits chez eux. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc c'est pas évident de penser en logique intégrée. Et puis bon, moi, pour moi qui travaille dans une start-up, ça veut dire lever énormément d'argent, prendre des gros risques sur les marchés financiers en créant une entreprise qui maîtrise tout. Par contre, je voulais dire que, par exemple, aux États-Unis, il y a Misfit Market qui livre des box en fait, de produits qui sont non calibrés, non conformes. Donc, je crois en la coopération entre les acteurs. Après, créer des immenses acteurs qui maîtrisent toute la chaîne de production peut créer d'autres problèmes, je pense. Mais pour moi, je pense que ce n'est pas parce que vous êtes grossiste que vous ne pouvez pas contrôler ce que fait la personne qui distribue vos produits ou la personne qui les produit. Puisque vous pouvez tout à fait, il y a par exemple Ecovadis, qui est une énorme boîte française qui justement travaille sur les reporting, qui a un grand succès français, vous pouvez tout à fait mettre des obligations à vos fournisseurs pour leur dire non, mais en fait, je ne vais plus t'acheter tes produits si tu ne maîtrises pas ton bilan RSE. Donc, pour moi, je suis très régulateur, hein, vous l'aurez compris, je suis très étatiste en fait. C'est un défaut de ma formation sans doute, mais je pense qu'on peut demander de réguler et de dire, ben, en fait, je ne t'achète plus tes produits. Moi, je parle beaucoup à des chief impact officers, comme on dit en anglais, des gens qui s'occupent de la RSE dans les entreprises et qui me disent, eh ben, moi, sur une grosse entreprise, je prends l'exemple de Mano Mano, ben, ils veulent que leurs fournisseurs fassent des choses nobles en matière d'éco-conception, parce qu'ils ne veulent pas vendre n'importe quoi. Mais Mano Mano ne fabrique pas les produits qu'ils vendent. Ça ne les empêche pas de dire, toi, tu fais n'importe quoi, tu dégages de ma plateforme dans 5 ans. Tu as 5 ans pour changer ou tu dégages. Pour moi, on peut faire ça sur toute la chaîne alimentaire, ce n'est pas un problème. Jérémy, tu voulais compléter ou pas ? Enfin, tout à l'heure, j'ai évoqué les différents postes, hein, contributeurs des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on voit bien qu'entre les producteurs et les transformateurs, il existe des interconnexions contractuelles. Et donc là, on peut peut-être réfléchir à ces interfaces. Comment faire que, bah, sur le plan de cet engagement entre un transformateur et un producteur, on allège les cahiers des charges pour mettre dans les conditions contractuelles le gaspillage à zéro, quoi. Donc, c'est un exemple. Et plutôt que travailler sur « on va optimiser le process, on va réduire la mécanisation, on va faire au mieux lorsque je suis producteur, agriculteur, pour réduire mon gaspillage », bah, in fine, si vous faites le nécessaire, il restera cette question du tri vis-à-vis du transformateur et vis-à-vis du distributeur. Donc il faut travailler là-dessus. Et puis je pense que la clé, c'est ces circuits de valorisation. Donc il faut travailler dans une logique là d'ensemble. Phoenix est un acteur remarquable, on le voit. Cette capacité à pouvoir fédérer et mobiliser, je pense que c'est typiquement
des acteurs à l'interface qu'il faut soutenir et accompagner. Donc il y a beaucoup à faire et donc je rejoins ce qui a été dit préalablement à ce niveau-là. Et peut-être le dernier point sur les transformations, il y a une transformation, comme je vous disais tout à l'heure, dans les différents scénarios qui sont relatives au mode de vie, au comportement. Et donc dans ces réflexions qu'on peut porter sur, par exemple, la chaîne de valeur alimentaire, la chaîne alimentaire, comment on informe, on sensibilise les citoyens sur les impacts, sur l'impact de son choix et puis sur quelles sont les alternatives, parce que souvent on peut pointer du doigt, c'est pas bien, attention, mais en réalité comment je peux faire. Et je pense que là il y a une responsabilité collective, que ce soit nous ADEME, Agence de la transition écologique, on va essayer de donner des éléments, mais on va compter beaucoup sur les entreprises dans leur rôle d'employeur, les collectivités, prescripteurs, qui sont vraiment des acteurs clés pour pouvoir mobiliser et informer et encourager en tout cas les comportements les moins impactants pour la planète. Tu me tends la perche pour justement le côté boîte à outils. Avec l'ADEME, vous faites un travail incroyable d'information et de pédagogie. Tout à l'heure, on a vu une infographie, il y en a plein comme celle-ci. Il y a des fiches pratiques que je vous invite vraiment à voir. Si vous le voulez, on a une slide que vous pouvez prendre en photo, pardon, hop, qui est juste là. Je ne sais pas si c'est lisible, mais vous pouvez la prendre en photo si vous voulez. C'est plein de documentation qui est donc disponible sur le site de l'ADEME pour vous informer, vous conscientiser sur ces sujets de gaspillage alimentaire et de l'alimentation en général. Alors, vraiment, j'insiste, sur le stand, on a mis en place une borne interactive où vous pouvez récupérer l'intégralité de notre documentation actualisée. Donc, venez, c'est vraiment simple. Vous mettez votre mail, ça part directement dans votre boîte mail. Vous avez tout ça. Prenez en photo, mais vous avez aussi la possibilité de nous retrouver sur le stand. Et c'est parfois des portes ouvertes, j'ai envie de dire, parce que c'est plein de bon sens, mais c'est important de le rappeler. Et de bien le rappeler, ça semble essentiel, parce que marteler le message, c'est comme ça qu'il rentre. Juste un tout dernier mot, Caroline. Pour que vous sachiez pourquoi les habitants ici et les personnes qui sont venues ici voir cette conférence, pourquoi la société Phoenix est présente. Parce que la société Phoenix travaille avec Monsieur le maire, avec le conseil municipal et la ville de Courbevoie pour acheminer la nourriture du gaspillage alimentaire vers les associations pour les gens qui ont faim. L'ADEME est ici parce que c'est un organisme de l'État qui permet justement de montrer les chiffres et de faire en gros des statistiques. Voilà. Donc c'est important, si vous voulez, d'avancer systématiquement avec ceux qui font et ceux qui aussi permettent de décrypter le travail qui est fait notamment par les municipalités ou par tous les acteurs. Voilà, chère Caroline. Merci beaucoup. Et du coup, je voulais juste également vous montrer ce type d'infographie. Vous pouvez également les retrouver sur le site de l'ADEME et sur le stand, n'est-ce pas? Ils sont auto-portants. Je pense que peut-être on a tapé un petit peu trop dans le timing, mais vous avez là typiquement des exemples sur comment traquer le gaspillage alimentaire au quotidien, comment également intégrer dans vos recettes des recettes anti-gaspille. On a pas mal de choses qui sont à votre disposition, qui vous donnent un peu des clés de lecture sur comment réduire son gaspillage au quotidien, seul ou en famille. Merci beaucoup. Donc rendez-vous côté ADEME, rendez-vous sur le stand de l'ADEME, sur le site de l'ADEME et demain à 15h pour découvrir plus en détail les 4 scénarios Transition 2050. Et côté Phoenix, si vous n'avez toujours pas téléchargé l'appli, je vous invite vraiment à le faire. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Clément ? Non, mais juste peut-être pour qu'on comprenne par rapport aux dons aux assos. Nous, Phoenix, on a un acteur du don qui a été créé en 2014, mais il y a des produits, comme j'expliquais, qu'on ne peut pas donner aux associations pour X raisons. Et notamment, une autre raison qu'on n'a pas évoquée, c'est que les petits volumes n'intéressent pas beaucoup les associations qui, forcément, ne vont pas se déplacer pour 30 euros de marchandises. Donc, on propose aux consommateurs, donc si vous voulez vous engager, vous pouvez le faire, racheter les produits à prix réduit. En ce moment, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Vous pouvez faire des économies et du bien à la planète en achetant les produits sur l'appli Phoenix. Donc, c'est une solution sympa pour vous aussi. Merci beaucoup. Oui. Caroline, je voudrais présenter aux Courbevoisiens une entrepreneuse courbevoisienne qui fait le lien d'ailleurs avec le gaspillage. Si vous voulez bien venir, vous pouvez l'applaudir. On va l'applaudir. Je vais vous expliquer pourquoi nous voulons mettre en valeur cette start-up courbevoisienne qui s'appelle Don en Chaleur. Don de Chaleur, voilà. Vous pouvez venir et présenter votre start-up. Bonjour. Et après, on a une petite vidéo, je crois. Exactement. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous avez expliqué pourquoi vous êtes là et expliqué aux Courbevoisiens, à Monsieur le maire, aux élus, notamment votre travail. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur le maire, bonjour. Mais d'abord, je voudrais remercier la ville de Courbevoie de nous accueillir aujourd'hui avec Pascal.
c'est particulièrement, enfin, on est particulièrement content d'être là parce que Don de Chaleur, donc, c'est une entreprise qui est installée à Courbevoie. Il y a deux des cinq fondateurs qui sont courbevoisiens depuis plus de 15 ans. Voilà. On est très heureux d'être là. Merci d'être là. Merci de nous accueillir. Et donc, Don de Chaleur, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est un pari un peu fou qu'on s'est donné de rassembler 1 million de familles françaises cet hiver dans un défi de solidarité énergétique. Alors, la solidarité énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'apporter une réponse un peu positive et un peu collective à la crise énergétique grâce à une nouvelle forme de générosité qu'on a totalement inventée pour l'occasion. L'idée, c'est de financer des projets associatifs, non pas en versant des euros, mais simplement depuis votre radiateur, en faisant des économies d'énergie. Et ce qui est génial dans le principe, c'est que ce n'est même pas vos économies d'énergie, donc l'argent que vous économisez qui va financer les projets associatifs, c'est un sponsorship de vos fournisseurs d'énergie. L'idée, c'est exactement comme une course solidaire. Donc, vous connaissez les courses solidaires où vous courez au fil des kilomètres que vous accumulez, vous avez un sponsor qui va financer un projet associatif de votre choix. Et bien là, c'est exactement pareil, sauf qu'au lieu de courir des kilomètres, c'est les kilowattheures que vous économisez qui vont permettre d'alimenter une cagnotte solidaire pour le projet de votre choix. Et alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que on fait le constat que l'énergie cet hiver, ça va être une ressource rare, ça va être une ressource chère, c'est une ressource qui est très importante et donc il faut apprendre à partager collectivement. Sauf qu'on ne sera pas tous capables de maîtriser notre consommation d'énergie. Et je pense particulièrement aux personnes qui sont en situation de précarité énergétique. La précarité énergétique, qu'est-ce que c'est ? Et ben, c'est le fait d'avoir des faibles revenus et d'habiter dans des passoires thermiques qui font qu'à la fois, vous avez du mal à aligner les deux bouts en fin de mois et en même temps, c'est aussi vous qui êtes le plus touché par l'augmentation du coût de l'énergie et qui avez des factures de chauffage qui explosent à la fin du mois. La précarité énergétique, ça touche au sens large 1 Français sur 10, ça touche 1 étudiant sur 2, les jeunes sont particulièrement touchés. J'entendais tout à l'heure qu'il y a des personnes pour qui l'alimentation c'est une variable d'ajustement, et ben, l'énergie c'est exactement la même chose, et le chauffage l'hiver c'est exactement la même chose. Les conséquences, qu'est-ce que c'est ? Pour les enfants par exemple, c'est qu'on tombe beaucoup plus vite malade puisqu'on n'a pas le chauffage chez nous, donc on a froid, et donc on va moins à l'école. C'est aussi des familles qui, comme elles ont un intérieur qui n'est pas très accueillant, qui accueillent moins, qui reçoivent moins, et donc qui sont très isolés. Et donc ça a des vraies conséquences sociales. Et donc chez Don de Chaleur, qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner ? Et bien, on travaille avec des associations qui sont réparties un peu partout en France, donc avec Emmaüs Solidarité en Ile-de-France, avec Habitat Humanisme à Lyon, avec une association très sympa, très locale, qui s'appelle Ulysse Énergie, qui est basée en Isère. Et c'est des associations qui accompagnent ces personnes en situation de précarité énergétique, vraiment avec un accompagnement de proximité de 3 façons. La première façon, c'est de les aider à payer leur facture en fin de mois si jamais il y a un risque d'impayé pour éviter qu'on leur coupe l'électricité. La deuxième façon, c'est un accompagnement pour apprendre à maîtriser la consommation d'énergie. Donc c'est à la fois les aider à installer du matériel économe en énergie, donc des lampes économes en énergie, des économiseurs d'eau, des thermostats sur le chauffage, et évidemment leur apprendre, les aider à les utiliser. Et mis bout à bout, ça permet de faire jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Et la troisième chose, c'est quand c'est nécessaire de financer des rénovations thermiques pour vraiment changer le logement. Alors très concrètement, comment on fait pour aider ces gens-là ? Et ben, nous, en tant que participants, c'est très simple. Il suffit simplement de faire des économies d'énergie chez soi. Alors les économies d'énergie, souvent on parle du chauffage, et évidemment c'est le premier poste de consommation. Mais il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas connus. J'en citerai juste un. C'est l'eau chaude de la douche. Et donc, j'ai avec moi un pommeau qu'on appelle un pommeau écologique. Pour être honnête, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un pommeau écologique, ça devrait être un pommeau standard. Je ne comprends pas encore pourquoi tous les Français ne sont pas équipés de ces pommeaux écologiques. Ça devrait être aussi normal et aussi simple d'avoir ça chez soi que des poubelles de tri. Pourquoi ? Parce que ces pommeaux, ils permettent d'économiser jusqu'à de 30 à 50% de sa consommation d'eau. Et donc notamment aussi de sa consommation d'eau chaude, ce qui permet d'économiser jusqu'à 3, 4, 5% sur sa facture d'énergie. Pour rappel, le gouvernement, l'objectif qu'il fixe, c'est 10% d'économie d'énergie d'ici 2 ans. Donc si on avait tous un petit pommeau écologique, ça nous permettrait de faire 30% du boulot sans même toucher à notre radiateur. Comment on peut l'obtenir ? Ça coûte 20 euros. Mais où ? Dans les supermarchés, voilà. Vous en trouvez pas. Oui, alors effectivement, vous pouvez trouver partout, dans les supermarchés, dans les magasins de bricolage, sur Internet. Alors, s'il y en a un que je peux vous recommander, j'ai pas été payé pour faire de la pub, mais le pommeau de douche Oupla, ça coûte 20 euros. C'est l'entreprise, c'est une entreprise à mission qui s'appelle Only One Planet, et ils font des pommeaux de douche qui sont super,
notamment parce qu'ils sont fabriqués en France par des ESAT, donc des entreprises qui aident à la réinsertion des, enfin à l'insertion des personnes handicapées. Vous avez une vidéo, je crois. Oui, tout à fait. On peut la voir. Eh bah, bien, parfaitement. Et de toute façon, j'ai terminé. Je vous invite tous à participer. Donc, si ça vous intéresse, l'application est disponible à partir du 7 novembre. Et je vous invite à vous inscrire sur le site de Don de Chaleur dès maintenant, donchaleur.fr. Et vous pouvez évidemment en parler autour de vous, à vos amis, à vos familles, sur les réseaux sociaux. On peut tous participer. Et plus on sera nombreux, et plus notre impact sera grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci d'avoir pris la parole ce soir. On va découvrir la vidéo dans un instant. Juste avant, j'aimerais saluer Clément et Jérémy. On peut les applaudir. Merci encore une fois pour votre présence. On découvre la vidéo et après, on passera à la traditionnelle remise de prix. Regardez. Cet hiver, niveau énergie, ça va pas être simple. Coupure, blackout, crise sociale, on peut tout imaginer. Et on sait que les plus fragiles seront les plus exposés. Pourtant, on est convaincu que collectivement, on peut réussir un truc de fou. Un grand défi de solidarité énergétique. Chaque famille, chaque foyer, réduit ses consommations d'énergie. Et nous, avec l'application Don de Chaleur, grâce à notre sponsor, on transforme les kilowattheures économisés en euros. Et on les redistribue pour lutter contre les précarités. Cet hiver, on a tous besoin d'être solidaires. On va passer maintenant à la remise de prix parce que la ville de Courbevoie, chaque année, remet des prix pour les comportements les plus vertueux, les meilleurs comportements pour la lutte contre le gaspillage alimentaire. Merci Caroline, merci infiniment. Merci Jérémy, merci Clément. Vous pouvez les applaudir, c'est formidable. Monsieur le maire, je me permets de vous inviter... sur l'estrade, ma collègue également Nathalie Derman, David Brexel, qui est en charge du commerce, Laetitia De Villard, je vous en prie, vous pouvez venir, vous pouvez les applaudir. Merci beaucoup. On commence par Monsieur le maire ou on termine par lui ? Monsieur le maire, comme vous êtes à tout honneur, vous êtes le patron, donc c'est vous le premier. Alors, Monsieur le maire, ce qui remet aujourd'hui le prix spécial de la ville, Il y a une société dont vous voulez peut-être en parler. Je vais la citer. On va d'abord montrer son travail et puis on va faire une visio. Pour ensuite, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette application a fait la une de l'actualité. Je laisserai Monsieur le maire en parler. Et je veux d'abord qu'on puisse montrer la vidéo, si c'est possible, sur leur travail. Il faut arriver à 1h ou 2h en avant pour avoir une bonne place et après, quand il ouvre la porte. Il y a tellement d'étudiants là qui ont besoin d'avoir l'aide alimentaire que oui, c'est vraiment étonnant. Voilà. Merci. Merci à vous. D'accord. Tous les jours, on fait une ou deux distributions pour 200, 300, 400 étudiants. C'est un nombre qui nous dépasse moralement, psychologiquement. C'est pas normal qu'il y ait des centaines d'étudiants qui, chaque soir, viennent faire la queue pour aller chercher un colis d'aide alimentaire. Ça va croissant. On pensait avoir atteint un plateau à la fin de l'année étudiante 2020-2021. En fait, on voit qu'on repart sur des bases très hautes. Je viens avec 500 euros par mois et le loyer, c'est 250. Parce que j'habite toute seule et plus que la bourse, ça ne me suffit pas. Des fois, je mange un seul repas par jour et le week-end, des fois, je mange pas. Les produits là, qui sont ici, on les récupère de commerçants, de supermarchés, etc. En fait, qui seraient partis au gaspillage. En fait. Donc, au lieu de les gaspiller, bah, on les donne à ceux qui en ont besoin. Viande ou fromage. Au revoir. Oui, tiens. Voilà. Oui, c'est.
Il y a beaucoup de choses. Il y a les œufs, le pain, les légumes, fruits, que c'est très bon parce que c'est un peu cher et je ne mange pas beaucoup. Il y a de la nourriture pour beaucoup de temps. Le fait que ça s'arrête, pour beaucoup, c'est vraiment compliqué parce qu'on a plein d'étudiants qui ne sont pas boursiers aujourd'hui parce que lorsqu'on est en précarité, on n'arrive pas toujours à pouvoir le justifier avec les papiers, avec les revenus des parents. Je suis passée en école privée et quand on est en école privée, on perd la bourse. Et oui, j'avais droit au repas à 1 euro et maintenant, il me semble que ça doit être 3,30 euros, donc ce qui est quand même raisonnable, mais je n'ai pas de crous à proximité. Et c'est depuis du coup que vous venez ici Oui, je suis... la première fois, c'était ça devait être début octobre. Je viens en distribution tous les jeudis. Parce que c'est un peu compliqué financièrement et ça me permet de tenir la semaine. Il y a d'autres personnes dans la même galère que nous. C'est plus réconfortant. Des voix des gens ici de notre âge qui aussi sont en galère, comme elle a dit, qui sont en précarité et tout. Et ouais, de se sentir un peu comme un câlin. Vous vous sentez moins seul, quoi. Ouais, exactement. Voilà. L'hiver arrive et en fait on craint qu'il y ait des situations encore plus dramatiques, vraiment de la détresse qui apparaissent, alors qu'on est déjà sur une situation qui est alarmante et préoccupante aux yeux de beaucoup de personnes. 500 euros, c'est ça. C'est pas mal. Pinky qui fait un travail formidable. Et on va voir si on peut avoir la visio. En direct. Myriam ? Bonjour. Oui, bonjour Myriam. Alors, bonjour. Vous êtes en direct avec la ville de Courbevoie. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous pouvez applaudir. J'aurais aimé être avec vous parmi vous aujourd'hui, mais malheureusement, j'ai le Covid, donc je pense que c'est mieux pour vous et pour moi que je ne sois pas là. Néanmoins, on est ravis de pouvoir participer à ce festival et on est ravis aussi de pouvoir être là pour la mairie de Courbevoie, qui est une ville qui montre l'exemple en matière de lutte contre le gaspillage et qui nous soutient tous les jours dans notre action. Donc, merci, merci à tous. Oui, on peut vous applaudir. Madame, je voulais quand même rappeler que pendant cette période de la Covid, où ça a été très très difficile pour les étudiants, en particulier parce que c'est une population, disons, quelquefois seule, parce que toujours les parents ne sont pas là, vous avez toujours permis qu'ils puissent déjeuner ou dîner. Vous avez distribué 200 000 repas. C'est quand même extraordinaire. Je pense que cette population qui quelquefois n'ose pas, disons, venir chez nous ou nous demander quelque chose, nous demander parce qu'ils ont des difficultés, ils ont déjà du mal à payer leur loyer quelquefois, du mal, disons, à s'habiller, parce que ça aussi, eh bien, vous leur donnez au moins le repas. Et ça, c'est quand même très important. C'est une belle image, disons, de l'humanité que l'on peut donner entre hommes et femmes. Et ça, c'est pas toujours évident dans ce contexte actuel. Vous voyez, je disais tout à l'heure, il faut, disons, se reposer sur les maires ou leur poser des questions parce que c'est eux qui doivent agir pour leur ville, quelle qu'il soit. Mais si on n'a pas des personnes comme vous, madame, ça devient très, très difficile. Donc vraiment, merci pour l'aide que vous avez apportée, que vous apporterez, et surtout l'idée que vous avez eue. Bravo et félicitations. Un grand merci à vous. Effectivement, je peux peut-être dire un petit mot sur la situation des étudiants. On remarque qu'avec la rentrée, c'est une situation particulièrement difficile. C'est ce qu'on a vu dans votre reportage. Et on est très heureux de pouvoir allier lutte contre le gaspillage alimentaire et aide à ce public qui effectivement a beaucoup de mal à accéder aux aides, qui a honte et a peur. Et donc avec notre dispositif, on essaye d'allier les deux pour les aider. Et donc merci. Merci pour votre soutien. Myriam, concrètement, est-ce que les gens qui vous écoutent, est-ce que vous pouvez expliquer comment ça marche, l'INKI ? Tout à fait. Alors nous, Linky, on existe depuis 2016 et originellement, notre travail, c'était de récupérer des invendus chez tout type de commerçants, de la petite boulangerie de quartier aux grossistes, aux agriculteurs, aux restaurateurs, pour les apporter à d'autres associations. Mais depuis 2020, en fait, pendant la crise sanitaire, on s'est aperçu que de nombreuses associations nous faisaient part du fait qu'elles accueillaient de plus en plus de jeunes et surtout des étudiants. Donc, on a décidé de lancer nos propres distributions
aux étudiants. Donc, ce sont des distributions qu'on fait dans des lieux sympathiques, des cafés, des bars associatifs, au cœur des universités, pour que les étudiants se sentent à l'aise de venir. Et là-bas, on essaie de leur donner des produits variés pour qu'ils aient un colis complet de 5 à 7 kilos de fruits, légumes, viande, poissons, des choses qu'ils ne peuvent pas acheter par ailleurs et que nous, on arrive à obtenir en les récupérant et en les sauvant du gaspillage. Donc ça, c'est ce qu'on fait. On a commencé avec un point de distribution en 2020, pendant le Covid, en plein cœur de la crise. Et puis, même si la crise passe, en fait, la situation ne s'améliore pas. Et aujourd'hui, on est à une vingtaine de points de distribution. On est également présent à Bordeaux et à Reims. Et donc, on continue notre action tous les jours. On a des distributions chaque jour pour les étudiants. Bravo à vous et monsieur le maire donc, et la municipalité de la ville vous remettent le prix spécial de la meilleure initiative que la ville. Donc, félicitations à vous et on espère vous voir bientôt physiquement. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci monsieur le maire. Alors, j'aime bien le micro, hein, je suis désolé. Mais je rappelais quelque chose et tout à l'heure j'écoutais vos intervenants. En disant qu'il faut arriver à trouver les aliments qu'il faut. Et je me disais, mais qu'est-ce que nous faisons, nous, avec ma collègue Valérie Sicholet, qui s'occupe de la cantine scolaire ? Elle impose, dans les appels d'offres, ce que nous voulons. Et exactement à 100 ou 150 km. Ou alors on sait d'où ça vient. Je crois que si nous nous imposons tout, à chaque fois, et nous regardons d'ailleurs quand on va acheter chez les grandes surfaces ou chez les commerçants, d'où ça vient ? Il y a peut-être des choses qu'on pourrait acheter, des choses qu'on ne pourrait pas acheter parce que ce n'est pas conforme à ce qu'on souhaite. On fait ça dans les cantines, et ce n'est pas Courbevoie, mais je crois que dans toutes les cantines. Si on impose aux fournisseurs, on arrivera à faire quelque chose. Ils seront bien obligés de nous écouter. Je crois aussi qu'il faut les obliger. Si on n'oblige pas les gens, on ne le fait pas, très honnêtement. Parce que vous savez, il y a toujours question de rapport, comme l'argent, combien ? Eh bien, nous, on essaie de faire le maximum. Et je pense qu'il faut que tous, on fasse le maximum pour dire, voilà, je ne vais pas acheter des fruits quand ce n'est pas la période. Enfin, attendez, vous ne pas acheter des fruits quand c'est pas la... ça coûte tellement cher. Il y a des gens qui le font, qui ont toujours les moyens de le faire. Ben, nous, il ne faut pas le faire. Et on achètera les fruits que quand ce sera la bonne période. On achètera les légumes quand ce sera la bonne période. Sinon, on ne le fait pas. Et croyez-moi, ben, ils n'en commanderont plus hein, si jamais on ne les achète pas. Le deuxième prix, je laisse la parole à ma collègue Nathalie Lederman pour la scolarité, la meilleure initiative scolaire. Merci Arash. Bonsoir à tous. Juste un dernier petit mot sur Linky parce que je viens de le découvrir et je suis d'accord, c'est une super initiative. J'ai vu qu'il y avait des informatrices de jeunesse de Les Collectifs ici. Je ne sais pas si elles sont encore là, mais même si elles ne sont pas là, je vais leur demander dès demain de se pencher sur le sujet parce qu'il faut absolument que tous les étudiants qui viennent à Courbevoie, les collectifs, connaissent ce dispositif et puissent en profiter parce que c'est vraiment une super initiative. Alors du coup, je passe aux enfants parce que c'est le sujet. Merci Arash. Je vous présente Anne Galopin, qui est la coordinatrice du pôle nature du Val. Et les enfants qui viennent des écoles Mermoz et Malraux, donc ils ne sont pas tous là évidemment, il est un petit peu tard pour eux, merci à vous d'être là. Je vais vous laisser parole dans quelques minutes. Donc ce prix est remis, c'est un prix assez collégial finalement, puisque le gaspillage alimentaire, on en parle dans les écoles et dans les structures périscolaires un peu toute la journée aux enfants finalement. Le pôle nature avec Anne a travaillé sur cette année sur le gaspillage alimentaire autour des biodéchets. Donc ça a commencé la rentrée scolaire, c'était il y a un mois, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc Anne a commencé depuis le début de l'année avec les animateurs du Val et puis avec les enfants à travailler sur les biodéchets en lien avec le service de restauration scolaire. On parlait de ma collègue Valérie Sicholet tout à l'heure, qui a fait installer des tables de tri dans les restaurants scolaires et plus récemment des tables de tri connectées dont a parlé monsieur le maire tout à l'heure. Et donc l'idée c'est de travailler sur ces tables de tri et de capitaliser dessus pour pouvoir apprendre aux enfants tout ce qu'il y a à savoir autour de ces déchets, de ces biodéchets. Donc voilà, en lien avec les animateurs, les agents de restauration qui font tous un travail autour des enfants. Je vais vous laisser la parole. Comme vous voyez, les enfants ont préparé des affiches avec des slogans que vous pouvez découvrir là. Je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre.
Ce que je voudrais bien que vous expliquiez à toutes les personnes qui sont là, c'est déjà vous allez vous présenter, juste votre prénom, de quelle école vous venez, et puis ce que vous avez appris sur le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Oui, comme Jacques Martin, exactement. C'est ça, une petite chanson. Non, pas une petite chanson. Tu dis ce qu'il y a écrit sur l'affiche. Je m'appelle Estelle, je suis à André Malraux. Et sur ton affiche, il y a écrit quoi ? Sur ton affiche, il y a écrit quoi ? Ne pas gaspiller, c'est gagner. Bonjour, je m'appelle Maëlia et je suis à André Malraux. Voilà, et sur ton affiche, gaspiller. Gaspiller, c'est mal et manger, c'est mieux. Bonjour, je m'appelle Alicia, je suis à l'école André Malraux. Qui jette un bœuf, qui jette un œuf. Voilà. Voilà. C'est ça. Qui jette un œuf, jette un bœuf, qui jette un bœuf. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ariane, je suis à l'école Jean Mermoz et recycler, c'est pas sorcier. Bonjour, je m'appelle Serena, je suis André Marleau. Même toute ridée, je reste bonne à croquer. Bonjour, je m'appelle Yasmine, dans l'école Jean Mermoz. Ne pas gaspiller et la terre survivra. Merci pour eux. Merci à tous. Et puis, rendez-vous à la fin de l'année, vous nous apprendrez, vous nous direz tout ce que vous avez appris. Je vais reprendre des termes qu'a employé Monsieur le maire et qu'il dit assez souvent. En vous apprenant des choses à vous, les enfants, on compte sur vous pour l'apprendre à vos parents et à éduquer vos parents. Voilà. Et quant à vous, prenez des photos de... Bah oui, il faut que tu racontes à ta maman, à ton papa tout ce que tu apprends pour qu'eux aussi sachent que gaspiller, c'est mal, mais manger, c'est mieux. Voilà. Profitez-en pour prendre des photos des slogans et pour l'appliquer chez vous également. Merci à tous. Merci les enfants. On va vous donner des petits sacs. Merci d'être venus. Merci Madame Galopin. Je t'appelle mon collègue David Brexel qui est en charge du commerce. Il a pas mal de commerçants qui ont œuvré cette année. Donc, David, je te laisse la main. Merci beaucoup. En effet, quand on parle de gaspillage alimentaire, on a souvent tendance à se retourner vers les magasins. Alors, on a beaucoup entendu parler de la grande distribution pendant la table ronde. Derrière la grande distribution, il y a aussi des personnes engagées. On a entendu que ça ne leur faisait pas plaisir de jeter la nourriture. Et à Courbevoie, ils ont fait partie des premiers à s'engager sur cette charte contre le gaspillage alimentaire. On a donc voulu en mettre certains en valeur ce soir. Et on va commencer par monsieur et madame Bobin, qui tiennent l'Intermarché rue de Beson. Voilà. Ils sont engagés depuis très longtemps contre le gaspillage alimentaire. Ils étaient déjà engagés avant de venir et de se joindre à la ville de Courbevoie. Et ils sont par ailleurs engagés dans plein d'autres domaines à Courbevoie, auprès d'associations, auprès des étudiants, auprès de clubs sportifs. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et donc c'est avec un grand plaisir que je vous remets ce prix. Merci à tous. C'est plutôt un acte citoyen. On est arrivé il y a un peu plus de 5 ans dans la ville. On a créé l'Intermarché. Et aujourd'hui, il était juste logique et inenvisageable de ne pas être dans cette démarche-là dès l'ouverture du magasin. Donc c'est notre travail, c'est ce qu'on impulse et c'est surtout aussi nos équipes au quotidien. Je suis aujourd'hui Intermarché, mais je sais que tous nos collègues qui ont signé la charte il y a aujourd'hui quelques années sont aussi extrêmement impliqués dans la démarche et à Courbevoie. Voilà. Merci beaucoup. On continue. Je voudrais appeler alors messieurs Dahan, mais je crois qu'ils sont représentés ce soir par quelqu'un. Ce sont
les gérants du Franprix, situé rue de Beson. Là aussi, des gens qui se sont engagés dans la signature de la charte assez rapidement et qui œuvrent aussi à Courbevoie auprès des associations humanitaires. Et donc, on a voulu mettre en lumière. Bonsoir à tous. Je suis la directrice du Franprix rue de Beson. Je représente M. Dinhon. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. Et je vais appeler M. Ramani, qui est le directeur du Monoprix du Faubourg de l'Arche, qui a repris donc la direction en début 2021 et qui est aussi très engagé contre le gaspillage alimentaire et qu'on récompense aujourd'hui pour un résultat assez impressionnant. Depuis le début de l'année, donc depuis janvier 2022, vous avez réussi à sauver plus de 42 000 repas. Donc, sur les 200 000 de la ville, c'est quand même extraordinaire ce que vous faites à vous tout seul. Donc félicitations. Alors bonsoir à tous. Alors c'était fin 2021, pas début 2021. Alors moi, quand j'ai repris le magasin, c'est mon prédécesseur qui a signé la charte, mais ça a été Monsieur Allard exactement. Donc ça a été un des points, de passation assez important. On a surtout discuté de ça. Donc voilà. Merci bien. Et il y a une autre commerçante qu'on a voulu mettre en avant, qui ne travaille pas dans la grande distribution, mais qui a eu une initiative que l'on a souhaité soutenir. C'est un beau projet que nous sommes très contents d'avoir pu aider à concrétiser sur la ville de Courbevoie. C'est Madame Nadège Roch qui tient l'épicerie en vrac Baptistine. Et je vais juste dire deux mots avant de vous céder la parole. C'est une autre manière de lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est d'essayer de le prévenir. On a vu tout à l'heure que dans le gaspillage alimentaire, il y a une grande partie de ce qu'on jette, c'est ce qu'on ne va pas consommer nous. Donc on l'a acheté, et pour différentes raisons, il y a des restes ou il y a du surplus, et c'est une grosse partie du gaspillage. Acheter en vrac, c'est permettre d'acheter ce que l'on va consommer, et donc d'éviter d'avoir ce gaspillage alimentaire. C'est une des formes, mais je laisse Madame Roch nous préciser tous les autres engagements qu'elle a en faveur du gaspillage. Bonsoir. Je voudrais commencer par vous remercier et d'abord remercier Monsieur le maire qui me suit depuis le tout début de l'aventure, Madame la première adjointe Marie-Pierre Limoges aussi, et le service commerce dont toute l'équipe est très très efficace et qui m'a beaucoup accompagnée depuis 2 ans, parce que ça a pris beaucoup de temps de monter cette épicerie. Donc effectivement, moi je vends des produits en vrac et sans emballage jetable, ce qui permet aux gens, en fait, en achetant la juste quantité, de ne pas faire de gaspillage et aussi, et c'est important par les temps qui courent, de faire des économies. Et ça permet de rendre accessibles des produits de qualité, puisque quasiment tout mon assortiment est bio aujourd'hui et à des prix très compétitifs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et pour compléter, donc vous avez pris les devants sur certaines actions. Dans le cas où il y aurait du surplus, vous avez signé un partenariat avec la société Phoenix, et je crois que c'est le premier commerce de proximité de la ville de Courbevoie qui va donc aujourd'hui signer la charte et donc rejoindre les nombreux acteurs sur Courbevoie qui l'ont déjà signé. C'est symbolique, mais c'est important. C'est un mouvement qu'on va continuer à accompagner. Comme on le disait, la charte, elle a été signée, elle est créée, il faut qu'elle vive, il faut qu'elle continue à se développer. Et donc, on va accompagner ce développement à travers les commerces de proximité de Courbevoie. Merci beaucoup. Trois avenues de la Liberté, à Bécon-les-Bruyères, en face de la gare. Tout droit. Absolument, il faut promouvoir ce genre de travail vertueux. Bravo Nadège.
et on viendra faire nos courses, bien sûr, chez tous les commerçants ici présents, mais aussi chez toi. Donc, félicitations. Dernier prix, et après, on prendra une photo donc, avec tous les lauréats. Je laisse la parole à Laetitia de Villard, qui est adjointe au maire. Et vous pouvez l'applaudir. Oui, alors nous, c'est ma délégation, c'est la démocratie locale. Et dans le cadre de ma délégation, j'ai la chance de travailler avec de nombreux habitants qui donnent de leur temps gracieusement pour faire vivre les conseils de quartier, mais également pour participer aux diverses animations que propose la ville. Et il y a un habitant qui s'est démarqué, parce que je crois que ça fait bien 5 ans que je le connais. Il a commencé, il était tout jeune, il a 25 ans, hein. Il avait 20 ans, et il s'est engagé dans le conseil consultatif de la jeunesse. Et puis après, il a voulu en continuer à s'engager à les collectifs. Puis il a rejoint les conseils de quartier. Et donc, c'est un habitant qui a la fibre, je pourrais dire, jardinière. Il adore cultiver les potagers, et notamment celui des collectifs. Et il aime tellement ça qu'il en fait même des ateliers qu'il ouvre aux jeunes qui ont envie, donc sur le temps des vacances, sur les week-ends, sur les mercredis. Et si vous, un jour vous passez à les collectifs et que vous rentrez, vous le verrez sûrement. Et s'il a des fruits ou des légumes qui ont poussé dans le potager, il les offre. Et il les donne, et il fait découvrir aux gens comment ils pourraient cultiver ça chez eux. Et je trouvais que c'était juste un habitant lambda qui donne de son temps aux autres. Et donc, je vais l'appeler. Sean Khan, tu peux venir, s'il te plaît. Vous pouvez l'applaudir. Il n'y a pas de petites actions. Et à chaque fois que je fais appel à lui pour des événements, hein, lorsque l'on fait la journée citoyenne sur le zéro déchet, sur l'environnement, il répond toujours présent, il est toujours là. Il vient, il motive les gens, il fait venir d'autres jeunes qu'il a rencontrés à les collectifs, et puis il sensibilise les habitants de Courbevoie sur la pratique du jardinage, ce qui est aussi une manière de ne pas gaspiller et de sensibiliser les gens. Donc félicitations. Merci beaucoup Laetitia. Moi, je parle beaucoup, ça tout le monde le sait. Donc, j'aimerais bien que ça soit un petit peu toi qui parles et qui nous explique un petit peu ce qui t'a conduit à t'engager en tant que citoyen et puis cette démarche qui te caractérise tellement. En fait, dans la vie professionnelle, je suis kinésithérapeute et mon métier ne me permet pas justement de changer en termes sociétal, alors que en tant que citoyen, on peut faire quelque chose pour changer justement notre société, même si c'est au niveau local. Le but, c'est sensibiliser les jeunes dès leur plus jeune âge de vivre autrement et de voir le monde autrement. Sinon, on ne peut pas vivre sans gaspiller, sans... Désolée. Non, t'es ému, je vois ça. Vivre ensemble d'habitude, il est plus loquace que ça. Mais voilà, donc je pense qu'on peut l'applaudir. Et puis, on est ravis de te remettre beaucoup. Le prix de l'initiative citoyenne. Merci Laetitia. Merci à toi. Bravo. Je vais appeler tous les lauréats, même les parents avec les enfants. Si vous voulez venir, on va faire une belle photo de groupe. Et avec la pancarte des 200 000 repas, monsieur le maire.